Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reprendre notre petit projet PS1. Hop PS1 Miroir. Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui, et oui. Euh, Comme la dernière fois, on s'en était occupé on avait tout mis sur alimentation et ça fonctionnait très bien. Ok Ça fonctionnait très très bien. Donc maintenant, on va essayer de faire en sorte donc d'agrandir pour que je puisse déporter le lecteur. Ok que je puisse déporter le lecteur et le mettre où je veux. On va faire en sorte aussi de contrôler les LED avec un seul euh, panneau euh, de contrôle. Donc les deux sont contrôlables avec un seul panneau, ok Jusque-là, on est bon. Et euh, ça devrait être cool, ça devrait être pas mal, Je crois que j'avais noté un autre truc. Attendez, j'avais noté un autre truc. J'aime ce projet, et oui. Euh... Ah oui, il y avait ça aussi et oui, et oui, 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 oui le PS1 vers VGA. Ah ah Ça existe. C'est possible, paraît-il. On peut créer un PS1 vers VGA. Donc on va voir pour faire ça également. Ça va être chiant, mais on va le faire. Et comment il va le wesley du coup Hop. Euh... Quand ils auront retrouvé les conteneurs remplis. <laughs> euh... Je vais prendre mon câble, on va l'alimenter, on va faire tout fonctionner. Comme ça, au moins, on est sûr que ça marche encore. Parce qu'on ne sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri d'un. Eh ben non. Enfin, je ne sais plus. Euh, c'est Black Soul. Grosse opération, je stresse. Bientôt, grosse opération. Ah merde Bah courage Faut pas stresser. Enfin, faut pas stresser, je ne sais pas c'est quelle opération, mais. Euh se dire que nos nos, 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 nos médecins sont, sont compétents. Ça va, ça va ça va bien se passer. Va bien, bien se passer. Et courage en tout cas. C'est vrai, c'est pas évident. C'est juste le cœur. Ça va. Ah oui. Bon ok. Je bah, je, je comprends le stress. Je, je comprends le stress. Effectivement. Je comprends le stress. Effectivement, là il y a, a peut-être de quoi stresser, mais rassure-toi en, en te disant que potentiellement euh, les médecins maintenant euh, on, on, a, on a des technologies qui font que sont quand même, euh, quand même plutôt compétents. C'est au moyen de rassurer. Mais courage en tout cas. Hmm. J'avais pris une photo. Ah grave, on est avec toi. Hein. <coughs> j'ai pris une photo. J'avais pris une photo du connecteur afin de me retrouver quand je l'utilise. Oh, ça y a un petit moment, ça déjà. J'ai trop remonté. Là. Voilà. Ça va comme ça. À tes souhaits. Merci. Faire un troll, mais je veux vous dire courage, ça va bien se passer. Ah oui. Bien sûr. Alors 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 Oh merde, j'avais oublié ça. Elle, elle est au taquet, elle veut y aller. Elle y va Elle y va Et là, il n'y aura rien d'affiché parce que forcément, ça va par là-bas, etc. Ok, non, c'est bon. On va faire ça en premier. On va faire le VGA, euh, euh, le PSD Je J'ai mis les infos pour le mode... VGA. Oh là là, mais mec, il mettait un queue crade, la street. Sans le demander, ça donne les infos qui vont bien. Ah oui, mais attends, il fait des trucs... Euh... Ah oui, non, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Oh, ça a l'air simple, en plus. Ton Stream Deck Switch, je l'ai abandonné parce que ce matin, il s'est redémarré. <laughs> il s'est redémarré sur l'OS de la Switch. Et du coup, euh, comme une envie de chialer. Donc, comment cette PS1 Elle tourne très bien. On a fait tourner Driver la dernière fois, donc tout va bien. Salut Joachim c'est chiant en plus d'ongle. Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant euh, RS comme ça et tout à l'heure elle a pas voulu rebooter en RCM, j'ai dit vas-y, c'est bon. Tu m'as fatigué, on verra tout à l'heure. On verra ce soir, on verra demain et il faut que je commande de toute façon sur euh, RS les composants qui me manquent. Alors, on va essayer de se faire un mode qui permet tout simplement d'avoir euh, un connecteur VGA à cette machine. On mettre tout sur le côté. Bon courage, euh, bon courage Henry. Alors. Est-ce que ça va être la merde Parce qu'il y en a... J'avais vu un mode où le mec récupérait toutes les infos sur le connecteur ici. Comment RS a passé aujourd'hui Ouais. c'est En fait, ce qui est chiant avec AS, chiant. Sans être chiant c'est que pour avoir les frais de port gratuits, il faut que ta commande soit d'au moins 30 euros. Okay et là était ma problématique, c'est que pour l'instant, euh, euh, ma commande, elle était de euh, 17 euros. Donc il manquait 15 euros. Et donc 15 euros, c'est les frais de port si tu les payes. Donc c'est chiant. Euh, et donc, et donc, et donc donc je me retrouve avec euh, dans une situation où il faut que je trouve des, des choses à acheter sur RS. <laughs> c'est un peu chiant du coup. C'est pas grave, on va trouver. Hein. un double boot, j'y comprends rien à votre business. Oui c'est un double boot, mais pour accéder au double boot, au double boot il faut euh, le lancer via une puce qui est soit soudée dans la console, euh, soit... Euh, qui est soit soudée dans la console, soit euh, mince. Soit en utilisant un PC. Non. Oh. Donc là, lui, il récupère le RGB du connecteur qu'il fait passer par là. Et ensuite, il récupère la synchronisation HV ici. Et ça arrive ici, sur un connecteur femelle euh, VGA. Ouais, non de commande, mais bon, dans le cas, on devra quand même payer les frais de port euh, pour un des deux. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais après, je vais trouver. Hein. <laughs> je t'inquiète. Hein. Euh, je suis en train de voir si je prends du Captain chez RS ou pas. Je me dis pourquoi pas prendre du Captain. Il y a des rouleaux à 15 euros, je crois. 15 ou 20 euros, je sais plus. Et je me dis pourquoi pas. On va commander du vrai Captain. Ça pourrait, ça pourrait être pas un... mal. Alors, on va prendre un câble VGA qu'on va sacrifier, jeune dame. On va devoir couper un câble VGA. Ah Hop Parce que là, on se... je, je, je m'en bats un peu. Lec c'est que j'ai envie que ça marche et on va directement le souder à la console c'est quoi le projet exactement de faire un miroir avec dans ce miroir un écran ok avec dans ce miroir un écran et dans cet écran euh, il sera branché une vraie PS1 avec le CD qui tourne qui va bien voilà voilà je les achète tous s'il te plaît je les achète chez RS Composant ou euh, ça dépend euh, ça dépend de ce que j'ai à commander Sinon, c'est sur AliExpress, ils sont sur... sinon, c'est sur d'autres choses, sur plein de choses. En se voyant à la place du conducteur. Voilà, bien vu, Faro. Il a tout compris, Faro. Il a tout compris. Euh, donc, petit câble VGA qu'on va chat. Par contre, j'aurais aimé euh, trouver le HV. La synchronisation HV qui est présente du coup sur la puce. Donc celle-ci. Ah, on peut pas zoomer. J'adore. On va zoomer avec ça, c'est pas grave. Ça c'est au max Vous savez, j'ai une mauvaise vue. Hein. Est-ce que, est que je l'ai cette puce Moi, c'est quoi C'est pas la même. Ah si c'est bon, je l'ai. Elle est là. Elle est là et donc à gauche. Ah, ah mais ça va direct. Euh... Donc lui, c'est ces deux là. Au niveau du pin 157, ça serait pin 156 et 155, c'est H plus V5. Ok. Tu une fois fini, tu vas la rendre ou la garder Je compte là je ne sais pas. En vrai pour l'instant je la garde. On verra. Une PU18 l'éligible au X-Station ou au, et au PS1 digital. Ah oui, non mais euh, ça c'est celle du, du mode du gars, ouais. Tu T'aurais pu prendre un manche-disque de Wii pour, pour ton projet. J'aurais pu, mais non. Là, ce qui est bien du coup avec le lecteur de la PS1, c'est que il euh, n'y a pas besoin d'aimant ou quoi. Il est clipsable le, le disque. Donc c'est cool. Parnel ou RS Online, tout à fait. Ouais, bon, RS Online parce que euh, j'aime trop. Tu te vois pendant les chargements, euh, faut s'aimer <laughs> fort quand même. <laughs> Normalement, t'es pas censé te voir. À la fin, quand ça s'allume, t'es pas censé te voir. Le Kevin, euh... un mange disque, c'est trop bien les Ok. Alors potentiellement, j'ai peut-être moyen de moyenner la moyennance. Si j'arrive à avoir H et V sync, ça peut être cool. H V, ils sont là. Ah, je suis zoomé au maximum. Oh, J'ai pas envie en, de changer d'objectif pour ça, ça va être chiant sinon. HV. Hum. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref là-dessus. J'ai pas la ref là-dessus. C'est d'avoir J'ai fait faire un mode SNES ou VGA, mais ce n'est pas très compliant. Ça marchait sur un vieux écran de de PC, mais pas sur les un... écrans récents. Oh, je vous ai pas montré ça. Le frangin, hier, il m'envoie un, euh, un, petit, un petit message. Il me dit Hé, hey, euh, mon client, il jette euh, des trucs. Je dis Ah ouais Est-ce que ça t'intéresse Il m'a envoyé plein de photos. Je vous montre. Vous me dites. Vous me dites. Il y a des trucs qui vont partir à la benne, que j'ai proposé à, à des gens, mais ça va sûrement partir à la benne parce que c'est un enfer. Euh, attends, voilà. Ça. Petite télé Sony cathodique 16 neuvième, 100 Hz. Ok. Ok. Bon. Chiant. Des chanteurs. Ok, c'est ça. 100 Hz, Trinitron, machin, mais euh, c'est du 16.9 en vrai, euh, c'est chiant. Et c'est lourd. Ça. Ça. Donc lecteur, cassette... Enfin, euh, magnétoscope plutôt, Akai. Euh, la personne m'a dit qu'il était... Enfin, mon frère m'a dit qu'il était tout neuf. Euh, mon frère m'a dit qu'il était tout neuf. Donc c'est cool. Euh, mais euh, il bouffait les bandes, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il n'avait pas été beaucoup utilisé. Donc ça, ça part chez Gélora, tout simplement. Je l'ai directement proposé à Gélora. Je lui dis, dit, est-ce que ça t'intéresse Il m'a dit oui. Je dis, bah let's go. Du coup, ça sera envoyé chez lui. On a une petite télé Thompson. Ça, c'est pour moi. Ça, j'ai dit je la garde. Ça pour l'instant. Ok, parce qu'il a froid bien vu, Davel euh... J'ai pas vu, c'était toi, comment ça va <laughs> Comment il va le Davel 100 Hertz, non monsieur, 100 Hertz, 100 U, comme dans Ambulance. Oh putain. Euh, 16 9ème et 16 laisse tomber, bah non mais c'est trop lourd, c'est chiant. Euh. Mais là celui-ci par contre, petite Télé Thompson qui est trop mims avec Prisperitel à l'arrière. Bon là on a du vieil informatique. Euh, pareil, ça je lui ai c'est trop lourd, c'est trop chiant donc ça dégage. Ici on a une glacière, je lui ai dit, garde. Les deux casques, c'est des casques sans fil, une imprimante. Bon, je lui ai l'imprimante, je lui ai dit, garde là pour que je récupère la motorisation et le système potentiellement pour la PS1. Je lui ai dit comme ça je récupère l'intérieur. Ça peut être pas mal, non euh, Moi j'ai pas la place pour ça, j'ai pas la place pour ça. Oh là, attendez, hop là. Euh, J'ai pas la place pour ça, donc euh, malheureusement, euh, malheureusement, ça va partir à la benne. Petite alim, je la prends. Euh, donc là, c'est des, des casques. Je sais que c'est une bonne marque, mais euh, il est fissuré, euh, il manque des morceaux, etc. Euh, J'en ferai rien. Là, c'est la, la glacière, mais ça, c'est plus pour mon frère. Et une petite Sony Trinitron. On peut pas tout garder, c'est ça. Non, on ne veut pas voir tes nudes. <laughs> non, non, c'est plus les messages des gens. Une petite Trinitron euh, de taille 21 pouces, je crois, qui avait euh, 21 M1B. Celle-ci, je lui dis, je la prends. Mais il euh, y a de grandes chances que je ne la garde pas. Parce que ça prend de la place, les, les catholiques. Alors que la petite Thompson... Alors que la petite Thomson, Elle est où La petite Thomson à l'arrière, elle a quand même la prise Péritel. Ça, ça fait plaisir. Bien sûr, je l'ai, je l'ai. Et oui, Carman, c'est un, un carrossier. Ah, donc la petite Thompson, elle, je la garde. Parce elle est trop mimes. Et on verra, on verra si elle est bien ou pas. On verra si elle est bien. Mais euh, potentiellement, la, la télé. Putain, euh... mais en ce moment, mais sérieux, je reçois trop de mails. Eh, hey, confirmation, vous allez avoir un iPhone 13. Manche, t'es mort, s'il te plaît. Euh... J'ai une dizaine à la maison, il me semble de CRT que des Sony de toutes les tailles. C'était des PVM, euh, ça, ça peut valoir des, des, des sous. Il y, 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 y a un sacré délire avec ça. Et oui. Oh la Soybeau 5 qui est là, tiens. Comment ils vont Oh N'hésitez pas bien sûr la soi 5 à la vie suivre. Et oui, meilleure association, hein, si vous aimez le rétro, que ce soit des consoles, le jeu vidéo, l'informatique, etc. C'est vraiment euh, l'association qu'il faut aller soutenir. C'est ceux qui soutiennent... Euh, qui font euh, le, le mieux leur taf en termes de préservation. Et oui Pas de PM, que des téloges normales. Très bien. Bon après, elles sont bien hein, les Trinitrons aussi comme ça. Hein. Bah écoute la forme. Je montrais un petit peu. Euh... Bah du coup, euh, je montrais un petit peu les... les, les euh... Les trucs que j'ai récupéré... Enfin, que mon frère a récupéré. Et qu'il va béner ou non. Et puis, voilà. Ils le font bien. Eh oui hum, vas-y, je le coupe en deux, ça. On va le couper en deux. Qui jouait sur PVM à l'époque Bah, personne. C'était pour les pros, les PVM. Je dis pas de bêtises. Les gens spéculent tellement là-dessus. Hein. C'est terrible. Hop un demi-câble VGA là-dessus. Voilà. là, oh là elle est ouvert C'est pour ça que les gens les veulent. Hein. C'était utilisé pour quoi La sécurité C'était utilisé pour euh, ce genre de choses, les PVM Tu as récupéré la Thomson de mon MO5 fin 80. Ah ouais La, la télé, c'est ça C'est euh, euh, une télé... Euh... Bah, quand il m'a envoyé ça, j'ai dit Oh la Thompson, en vrai, euh, je la garde. Hein. <laughs> j'ai dit en vrai. Euh, en plus, elle a pris Spiritel à l'arrière et tout. Euh. Bah, après, ça dépendra une fois de plus hein, quand je vais la récupérer si elle, me, si elle est bien ou non. La même, putain, trop bien. Et du coup, c'était vendu comme télé ou c'était vendu comme euh, moniteur euh... C'était vendu comme télé parce qu'en plus, elle, elle tourne aux 12 et 24 volts. C'est le feu. Hein. Bon, et ça, regardez, ça, c'est du beau câble. Hein. Blindage blindage, blindage et même à l'intérieur ils sont blindés entre eux. C'est fou, hein c'est beau. Hein ça c'est du beau câble hein VGA attention. Ça blague pas. Hein ça blague pas. Moi bon, je suppose que ça ça doit être le RGB et ça ça doit être autre chose. Les RGB avec leur masse euh, leur masse euh, à chacun. C'est beau. Hein Une télé, ok. La boucle bouclée et oublie. Bah ben écoute, si, euh, si je la garde pas, je saurais quoi, quoi en faire. <laughs> Hop. Parce que j'ai aussi ma petite Sony qu'il va falloir que je récupère. Ce câble doit coûter une blinde. Non non non. Non, non du tout. Les câbles VGA coûtent absolument rien. C'est pour ça ne jetez pas vos câbles hein. parce que regarde tu cherches un câble blindé plutôt que de te faire chier à aller l'acheter coûter... ça coûte un rein des câbles ça coûte super cher des câbles blindés euh, là regarde tu as t as même pas tu prends euh... tu prends directement ton câble à toi un câble analogique pas blindé il faudrait euh... le brûler sans se poser de questions très bien non mais cabri, câble... <laughs> câble blindé égal coûte une blinde il a pas compris. Mais bah, j'avais pas compris Mais qu'est-ce que vous voulez Moi je suis là, euh, je dis pas... Bah c'est comme ça, c'est comme ça Bah oui. C'était un jeu de mots, une blindée... Oui bah écoutez, bah, moi je suis parti, j'étais sérieux, moi j'étais en mode Ben non, ça coûte pas cher, justement Voilà, je donne des arguments, je suis là Ah mais c'est vous C'est vous C'est en deux. Ah bah oui hein. Ah moi je suis à fond, hein. moi je suis dans le sujet bien sûr C'est qui ça C'est une ampoule. C'est une poule. En ampoule. En ampoule. T'as compris Ça on l'a appris dernièrement. Enfin moi je l'ai appris dernièrement. Non. quand même, c'est gentil. C'est le logo de binaris. Ce binaris, il est trop fort. Change de panne Hop J'aime la musique. Et toi, tu aimes la musique Très beau logo. Il est beau. Hein Et il est intelligent en plus. Il y a un jeu de mots derrière. Que personne n'avait compris hein, d'ailleurs. Hein je dis ça, hein je dis rien. Personne l'avait. Hein euh, Est-ce que je sors mon tapis de soudure histoire de faire le professionnel un peu? Allez, on dit, on dit. On dit qu'on fait ça bien. Ce soir, vous voulez... Attendez, je vais vous raconter encore un peu ma vie. Ce soir. Oh putain Aujourd'hui, rien ne va plus. Hein. Je fais que des conneries. Je pense que cette karma, il ne faut pas que je vous dise ce soir ce que je fais. Il faut pas que je vous dise. Ah, j'ai tout fait tomber. Hop. Voilà. Yep. Et pop, pop, pop! Si j'avais compris, c'est faux. <laughs> tu fais du... ya sur ton tapis de soudure, bien sûr. Le jeu de mots était un peu empoulé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un professionnel euh... Ah bah le davel, euh, quand on travaille ensemble, je te raconte pas. Hein. Ah ça débite, hein, les jeux de mots. Hein. Ah ça y va, ça y va, ça y va. Hein. Ah bah oui. Hein. Bien sûr. Alors, on va se centrer. Hop, voilà. Donc, peut -être, euh, ça serait peut-être temps de travailler un petit peu là. Est-ce qu'on va y arriver ce mode, euh, de ce mode VGA J'espère. Je prends le multimètre. Du Flinger Morning. Et donc, on a dit que H plus B, c'était 156 et 155. Et oui. Donc, quand je touche sa bip. J'ai un doute quand même parce que. Pourquoi il arrive là C'est bizarre son truc parce que. Euh... Attendez, on va changer de. C'est bon, un objectif, ça prend deux secondes à se remplacer. On va le remplacer ce sera plus simple. Et moi. Hop. On puisse regarder ensemble. Je trouve ça bizarre en fait. Que H et V ce soit ça. le Salut, sable Donc, on est là. On est là. Écoute, ça va très bien. On, on taffe. On bricole sur un mode VGA pour la PS1. Et donc, quand je fais ça, ça bip. Ok C'est une carte mère. Oui, bien vu. De PlayStation 1. Il me dit H plus V, c'est les deux pins. Qui sont ici et là. OK? Et quand tu regardes. Ah, bah non, c'est bon en fait. J'ai rien dit. Ça. Ça va là. C'est les deux pads qui sont là. OK. Donc H et V, ils sont là. Ah, le Hormac. Salut Hormac. Bonjour de loin également. Hormac, jeune gens. Allez le suivre. Longtemps que je ne suis pas passé d'ailleurs sur sa chaîne Twitch bien sûr ça fait des lives de grande qualité bien sûr et notamment sur des euh, des petits jeux bien stylés comme Diablo comme euh, comme Skyrim etc etc comme Oblivion allez-y bien sûr très très cool très très chill très sympa bien sûr Bibi. Alors, on va étamer. Vous avez vu, j'ai mis les ventilations, hein. je fais ça bien. Alors, j'y connais rien en signaux vidéo. Ça, vous allez vite le, le comprendre. C'est que là, il dit H plus V. Donc c'est la synchronisation. Horizontale, verticale, je dirais. Et ensuite, il faut récupérer le VGA. Euh, to roll on it and see, I could get native 15kHz. VGA using Shielded Coaxial Wire. Forme de VGRBLIN. D'accord. Et là, il faut que je récupère. Je récupère le RGB. Je présume. Il faut que je récupère le, le RGB. Technique là. Non, vraiment, vrai, non, non. Enfin, euh, de quoi Découvert Woody Lutry aujourd'hui. Ah, bah il était temps! Woody Lutry, c'est le sein. C'est le saint, il est trop fort, Woody! Et bon courage, bon Rose the Rolf, hein, bien sûr. Mais non, mais là, euh, en vrai, ça va, c'est deux pads. C'est chiant, c'est que le flux d'époque, quand il recuit. Euh... C'est bête que tu n'as pas de compte PayPal Cabri. Bah si j'ai un compte Paypal Pourquoi cette question on se dur le mère en général. Je fais tous mes paiements par Paypal <laughs> quand on veut me demander une prestation. Aussi a la carte mère générale général. Mais là en vrai ça va, hein. c'est deux pads, deux tests, donc c'est tranquille. Va falloir qu'on chope le RGB du port vidéo. RGB PS1. Data Sheets. Comment je vais le choper le... Ah Peut-être bien là-dessus. Ah mais c'est lui que j'avais vu en plus. Il y a des PS1 RGB euh, VGA hotpot. Regardez. Horizontal Sync, Vertical Sync, Ground, Red, Green, Blue. Donc on a six fils à souder. Je suis très fort en maths. Donc lui, il récupère H5, V5. Donc on sait que... Ah, déjà, lui, il donne des vraies infos. Euh... Et C5 Ah. C5, il est où Ah, comment il a C-Sync Ah, C-Sync, après, je peux le récupérer peut-être ici. s vidéo C. Non, c'est peut-être pas ça. Sync. Ça doit être ça. C-Sync, Nts Vidéo, Composite, Sync. Ça doit être C-Sync. Je pense. Il faut être plus. Tout, va, euh, tout ne va être qu'approximatif. Ça, il, a, il va le choper en dessous. Alors, ce qui est chiant, c'est que ne donne pas beaucoup d'infos. Il donne des infos, mais pas beaucoup. Parce qu'on a vers Sync. Ah, Horizontal Sync, or C-Sync. On peut prendre un des deux. Donc nous, on s'en fout. Hein. On va prendre Vertical Sync, Horizontal Sync. Et on aurait pu prendre C-Sync, si on voulait. Ça va. On s'emballe. On s'emballe. OK. On a le Ground. Et après, on a le RGB qui vient avec notre masse qui va bien. Ok, maintenant moi je veux le RGB. Et donc. Blue, red, green. Donc 9, 11, 12. Et là on va essayer de trouver. Il y a N-Sync. Il y en aura juste un. Hein. Je sais pas la ref là-dessus. J'ai pas la ref. Donc 12. C'est sûr, on regarde. Euh, comme ça. Et donc, du coup, ça va être comme ça. Je ne connais pas ce mode VGA. Bah, euh, je l'ai découvert euh, euh, là. <laughs> Donc on va essayer de choper le RGB ici. El sing, c'est un boys band dans les années 2000. D'où est sorti un chanteur pas très connu du prénom de D et Justin. Ah. Fort bien. Je te crois. Je <laughs> te crois de ouf. Donc ça ça serait vert, rouge, 5 volts, bleu. Et après on voit qu'on a nos masses ici, là, là. Ah avec... Le club des 5. Oh là là. Il y mode j'ai pas l'air, c'est pas pour rien, hein. bien sûr. Enfin, le problème c'est que j'ai fait une émote pour vous. Et au final, elle me sert qu'à moi. <laughs> ne me sert qu'à moi. Terrible histoire. Du coup, le RGB serait par là. Et bon on va essayer, hein, c'est pas grave. Fais voir mon câble VGA, la gueule qu'il a. J'espère que les couleurs correspondent, ça serait cool. vert. On a rose. On a du rose, qui potentiellement peut être du rouge. On a du vert. Ça, c'est du bleu. Ça, c'est du gris. Donc, potentiellement, ils ont bien fait les choses. Ça serait cool qu'ils aient bien fait les choses. Et qu'on ait un vrai red. Et les couleurs correspondent. Tac. Donc on a le vert avec sa masse. On a le rose. Le rose rouge avec sa masse. Excusez-moi. Ok. Et viens à toi, Gibbs, le second. Alors, si j'ai la ref et que c'est yes, c'est cool. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. Est-ce que ça serait pas plus. Euh... Pirate des Caraïbes ou un truc comme ça Je suis en vente des refs. C'est terrible. Terrible. Terrible bœuf. Est-ce qu'à votre avis, on la joue au feeling Et on se dit. On se dit. C'est Red, Green, Blue. Ceux-là. Par déduction. Le dernier, celui-ci. Ça, c'est Red. Ça, c'est Green. Et ça, c'est Blue. ncs, On est d'accord. On est d'accord. Bien sûr. Une fois de plus, ceux qui follow et qui n'ont pas leur compte vérifié, n'ayez crainte. Ne partez pas. Dans une heure, vous pourrez parler. Voilà. Il faut, vous... faut juste une heure. C'est pour éviter d'avoir des trolls euh, et des bots euh, peu intéressants. Voilà 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 alors visiblement il n'y a pas de masse sur ce câble vidéo de masse commune pour enfin euh, il y a une masse commune justement pour, euh, pour le RGB ne sont pas indépendantes donc on va les re relier entre elles les morses comme Kate. Kate Moss. <laughs> J'adore l'humour. Je, je sors une rêve que je n'ai pas, hein. Je sais pas qui c'est cette personne. Cabri a peur de R, moi j'ai peur de R. Qui est raide hein, du coup. Eh <laughs> hey, aujourd'hui on a femme, hein Attends, et j'ai même pas pris mes pilules de guarana. Peut-être aller les chercher, tiens. You come and go. Oh. Hop. Attention. Attention. Donc je relis les trois mosses. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, bien sûr. J'ai la ref. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il faut une heure pour pouvoir causer. Oui! Quand tu n'as pas vérifié ton compte Twitch. Tout à fait. Une heure. Avant c'était 24. Bon <laughs> c'est 10 oh, C'est peut-être un peu beaucoup là. 24. C'est la chanson mais on va éviter. On va être s'enmer... C'est plus la même. Ah ouais Bah ne la fais pas alors <laughs> Si tu sens qu'il ne peut pas la faire, ça serait dommage. Odeh Chasunmi a participé à la conception de la puce graphique qui se connecte pour te dire que tu te trompes. Comment fait-on fait ouais, Déjà, je vais lui, en... lui demander de m'envoyer son CV. Et il est sûrement japonais. Et je pense qu'il n'en a, a rien à faire et qu'il est sûrement pas là. Hop. Sans bon, c'est bien étamé, hein. Oh, dis donc, hein. Oh, c'est bien étamé, hein. Ah, il est content! Il est content! Alors, je vais prendre. Hop! Parce qu'on va tester quand même, finalement. On n'est pas des thugs à ce point-là. Le gars est probablement à la retraite, tout à fait. Tout à fait. Ou bah. pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Je suis ingénieur en chef, Bon boulot, Capri, merci. <laughs> Forcément, il était là. Non, ben, oh ben, j'ai aucun doute. En vrai, si je veux quelqu'un qui travaille au SAV de, de chez Sony, je, je... qui travaillait au SAV de chez Sony, j'ai le contact. Si besoin est. Mais euh, Mais en vrai, euh, ça va. On est serein. Nous, on aime investiguer, tu vois. Alors, ça c'est rouge. On va tester. Euh, de recevoir un message d'Amazon me disant que je dois confirmer les infos perso sous peine de mon compte soit supprimé et facturé 9,99€. Pouvant. Euh, peuvent pas te laisser tranquille à l'approche des fêtes, c'est ça, Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est le bon vert. Est ingénieur japonais qui n'a euh, que ça à faire et qui est présent pour te dire que ton capelage va parasiter le sous-système OS et créer une faille dans la matrice. <laughs> Mais cela reste hypothétique. Bon bah ça va, alors si c'est hypothétique, c'est bon, c'est bon, c'est bon, restons comme ça alors. Ça va, tu me rassures, tu me rassures. Alors, je... Pourquoi c'est pas pareil Pourquoi c'est pas comme sur la photo C'est inversé. On va essayer comme ça. Est-ce qu'elle est raciste cette musique Rouge, ça serait saut. So. Vert. Tu m'y bien eu, je suis le stagiaire. Mmh. Si je comprends bien, tu passes le RGB sur le VGA. C'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, on aura une qualité euh, mirifique. J'aimerais. J'ai pris qui bleu? Ok. Non, on est bon. On est bon, c'est bien red, green, blue avec notre masse. Donc ça, c'est un câble qui est bien fait. Et ça, bah ça, je l'aime d'amour. Je tiens à le dire. Par contre, ah oui, non attendez, il faut que je récupère mon signal euh, vertical et horizontal qui ressemble à un câble jaune et à un câble bleu. Et après, notre ground, notre ground, ça doit être soit lui, soit lui. Qui est, je pense, le shield extérieur. On va voir. Pour faire comme sur la photo. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu chiant, ça, d'ailleurs. Il y a certains modeurs, genre pour le mode de la Philippe CDI, le S-Nest ou CDI, qui est bien fait, où le mec, qui met les deux. Comme ça, au moins, si tu un doute. Mais effectivement, il faut que je le regarde dans le miroir. Et ça tombe bien parce qu'on fait une PlayStation à un miroir. Mais bon, elle fonctionne pas. Donc bon, pour l'instant, c'est juste rien. C'est juste un amas de câbles électriques. Je vais prendre celui-ci également. Ok. Tac-tac. On va tous les dénuder, hein, doute le Pourquoi je fais un accent? Je sais pas.

Bien vu, bien vu, elle est, elle est très bien, elle est très bien jouée, Faro. Joué. Elle est très très bien, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, j'aime beaucoup. <laughs> ça ne s'arrête jamais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Binaris tu veux, tu veux te battre Tu veux te battre, Binaris C'est ça que tu es en train de me dire Tu veux te battre La bagarre Binaris, il veut la bagarre, il a dit. Comment ça, j'ai pas le droit d'utiliser. Oh, nom ouais. C'est fou ça Ou le bois droit. On va passer vite h dans sa salle de bain. Tout à fait. Par contre, c'est qui, lui C'est la synchronisation, peut-être Focus 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 Non, tu veux pas. Focus Focus Wow Merci. Euh, pour y aller uniquement sur la playlist, il y a quoi Il y a quoi Il y a quoi Aucun problème, aucun problème. Vas-y, je t'en prie. Je ne pas avoir de problème, tout va bien. Ça, ça ressemble à la synchronisation, non Toto Africa, et oui. Envie de caner. <laughs> c'est pas mal, hein Quitte il est au taquet. Hein. Quitte il est au taquet. Hein. Ok. Euh, en vrai, ça, je pencherais bien pour une synchronisation ou je ne sais quoi. Mais bon, c'est pas dit. Alors, jaune, c'est censé être... Dans la vraie vie véritable. Dans le monde de la vraie vie véritable. Ceux qui ont l'arrêt rêve, vous êtes beau. C'est tout. C'est tout, il a pas de pas de justif. Ah. Tu veux pas. Ah je me suis mis en haut maître. Chime on me. Voilà. Donc, si ça c'est rouge, Sync, c'est à l'opposé, là. Moi il me faut lui. Il faut que je trouve qu te sait. qui c'est. Qui es-tu Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Et eh oui, je suis un très mauvais voyant. C'est pour lui. C'est pour lui. Ah, si, c'est lui. Mais du coup, on n'en veut pas. Moi, je veux tes copains à côté. C'est pour lui. Mais moi, oui, pas mal femme, mais oui, oui. rêve caramel de biche, bien sûr, croise, c'est rien utile. C'est rêve pour 1879. Oh pas jeu. C'est même plus les rêves que tu as là, tu as la totale, hein. Bien joué. Ouais, bien joué. Bien joué. Ça n'existe pas. Ce film n'existe pas. Ah bah voilà. Blanc. Blanc, c'est vert 5. Donc vertical 5. OK. Et donc orange. C'est rien. Donc je suppose que ça doit être dans ça. Ok, pourquoi il est une masse Qui est même depuis deux ans au moins. Non, elle a changé On dirait, hein, mais elle a changé. Voilà, donc il me faut blanc et ça. C'est de là, c'est la vie. Et ensuite, il me faut un ground. Si on parle anglais. Hein. On parle bilingue. Et c'est le noir. Bien vu. Donc il me faut ces trois-là. Et tout le monde, il est content. Voilà. Et les autres, on n'en veut pas. Je les quatre. Euh... Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Violet, j'en voulais ou pas Imagine, j'en ai coupé un que je voulais. Et tu a voulu se représenter. Comment ça Mais ça a des rêves politiques. Moi j'ai pas un politique je sais même pas c'est quoi droite-gauche donc euh... Oh non me dis pas que j'ai coupé un que je devais pas couper Si j'ai fait ça Je me bute Je pense que j'ai fait ça et j'ai envie de me buter. JBL <laughs> 80, euh, pas de truc à faire, assez massif sur Spotify mais je ne pense pas pouvoir envoyer le lien ici. Non, mais tu peux l'envoyer sur Discord. Et ça m'intéresse. Non! Violet, on s'emballe ça dégage. Et le blanc, je crois que je l'ai coupé, alors que j'aurais pas dû. Est-ce que je le dénude avec les dents? Non, ne faites pas ça chez vous. C'est tentant. Surtout que j'ai la forme des dents adéquate pour ça. Trop de discorde, c'est plus possible. Ah, ça, je comprends tout à fait. Bon, c'est inconcevable que tu sois pas sur le mien, mais bon, parce que je te dis, c'est comme ça, c'est la vie, mais. Il y a des bannes qui se perdent, hein, moi je vous le dis. Mais... Après, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, voilà, je voulais pas. D'ailleurs, on est plus de 2000 hein, sur le Discord. Je dis ça, je dis rien. Allez, on réessaye. Comment j'avais fait tout à l'heure j'avais fait comme ça. Comme ça. Eh, habile de ses doigts le bonhomme. Hein. Regarde ça. Eh bah oui, là, c'est mieux. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Et encore moi, si c'est pour des avec un cap sector. Oh, ça va. Hein. Ça, ça picote un petit peu le palais, quoi. Bien sûr. Le supérieur, leader d'un d'Inforea. Bah, Peut-être que ça le libère, du coup. 2000 cordes, ça fait beaucoup de cordes. Oh. C'est pas beaucoup. Euh, 2000, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ok. Oh, tu sais, moi, rien ne me fait peur. Hein. J'ai ban des grands de ce monde, ici. Hein. Nous on banne de la vie. Hein. On sait banne de la vie si on a la commande. Hein. Ah bah oui. Hein. Bien sûr. Si besoin, on banne de la vie. Hein. Assez facilement d'ailleurs. le nombre d'habitants de mon village. Ah oui. Gros village que tu as là. <laughs> Gros village que tu as là. Après le village de mes parents, c'est à peu près pareil. Hein. Ils ne sont même pas mille. Et ils vont avoir la fibre. <laughs> Lol. T'es par. T'es par te rire. Est-ce avis, la masse du C5, je la relis quelque part Ou bon. pas Je vais l'étamer. Dans le doute. Dal dites-le. Je la relierai bien avec les, les masses du RGB. Parce que je me dis, c'est un signal de la vidéo. Je me dis ils, vont, ils ont l'air ils ont cool ensemble, je pense. Pourquoi vous les bannez Sylvain euh, Parce qu'elle n'est pas sur le Discord, elle a dit qu'elle avait trop de Discord, du coup on a dit qu'on allait la ban. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ah des, des propos euh, tenus euh, comme ça, moi ça me fait peur, ça me, ça me ça le poil. C'est de l'humour, bien entendu. Ici on banne que les relous. Et Dieu sait qu'il y en a eu, mais ça va, ça se, fait, ça, se fait moins, ça se fait moins. Ça dépend des chaînes. Ouais, je pense que ça dépend des chaînes, effectivement. Alors. Parce qu'il y en a, les modos déjà en place, ils sont costauds. Hein. Jusso. Yeah. Euh, donc, 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 Euh, pin 1, 2. 3 c'est aussi un ground. Ok. Donc on va souder nos RGB ici. Ok. Ça arrive de ban juste pour le fun. Oh ça arrive, ça arrive. On rigoler quoi. Tout sauf un, enfin, bien sûr. Ok, on va fixer le RGB. Quand je ban, je ban. Mais oui, mais nous, ici, on ne sait pas faire les, les TO. Hein ici, on ne sait pas trop trop faire les TO. Bah alors, attendez, parce que j'ai un problème. Parce que j'ai un ground là. Mais du, du coup, le ground de mon connecteur, celui-ci, je ne le relie nulle part. On s'en bat avec. Dans la vie, on s'en fout. Oups. Ok. Euh, le 12, c'est green, c'est vert. Voilà. Par contre, ça là, le gros la le, le shield, quoi. Ça là. Tu le relis à rien dans la vie Moi, je serais Théo permanent du coup. Ouais, c'est un peu le souci. Hop, on a le bloss. Tu le relis à la masse quand même, euh, idéalement, que du côté console. Hein Ouah. Oui euh... Donc après c'est rouge. Qui va l'eau Qu'est-ce que tu dis par qu'à qu qu la console Alors du coup pourquoi tout à l'heure quand tu disais mon ground euh, si tu le fais passer par je sais pas quoi c'est un, un enfer au final ils vont tous se rejoindre les grounds ah oh, c'est chiant pince Oh les belles soudures, <laughs> c'était le du coup. Ah. Oh la belle soudure, qu'est-ce que je déteste quand le fil fond. C'est un peu le souci quand tu, tu prends du matériel déjà utilisé. Je sais pas trop. Il ne faut pas se servir du shield comme ground, à savoir s'en servir pour le retour du signal, mais il faut quand même le connecter à D'un côté, au moins pour que le shield fasse... Ok. Il ne faut aucun signal dans le shield. D'accord. Ok. Très bien. Faisons comme ça. Donc ceci est un fil cramé. Ça m'agace. Voilà. Et le blue. Il est au-dessus. Il faut que ce dans le shield. D'accord. Après, euh... comment je fais J'ai pas le choix. Sur ce port vidéo, le ground, tu vois. Le ground utilisé, il est aussi utilisé pour le shield en fait. Yahoon une... Et passage, il faut le gronder. <laughs> vous êtes marrant quand même, hein? L'humour et tout là, franchement, vous êtes drôle. On va le souder au shield, et ça ira très bien. Faut remettre mettre de l'étain là-dessus. Hein. Ok, faut que je chauffe plus. Te pose pas de questions et fais ce que, euh, fais ce que je te dis, je suis au fond de toi, <laughs> fond de toi que j'ai raison. Ça dépend, hein. Mais oui, je sais. C'est moi ou il est hermétique à l'étain, ce salopio C'est une blague. peut-être en alu, donc au pire tu ne soudes que le fil de cuivre du shield ce n'y arrive pas c'est pas possible de l'aluminium she said no et oui ça doit être ça en plus hein non, on dirait que tu dis les conneries des fois mais en fait des fois il dit pas que les conneries c'est fou hein. Bien oui bien sûr Déjà un sur repas. Et oui. Et bon appétit, bien sûr. Là, j'ai quand même envie de rester parce que je suis avant tout une tête de mule, un mulet, comme on dit dans le milieu. Bon. clac clac claque ça au goût là à la, à la texture c'est de la lue effectivement on a la chance d'avoir quand même un fil de cuivre dans l'histoire à l'intérieur l'eau quand tu désnap tout ça Voilà. Mais moi, moins hein, concentrer malgré tout le bonheur. Il hein. a ici après, trois shots de... Ah, ici, après, mon troisième shot de vaccin. Moi, <laughs> bon, allez Ça se bourre la gueule au vaccin Bah oui Putain, faut que je regarde quand est-ce que je dois le faire, moi, cette histoire-là. J'ai tellement la flemme. J'ai tellement la flemme. En fait, faire le vac... aller au vaccin, aller au coiffeur, aller au médecin... De manière générale, ça me fait chier parce que tu y vas, t'attends. Tu fais rien. C'est chiant. Tu te fais piquer, tu t'en vas. Ah. Je pense que j'emmènerai mon miroir ou la PS4 portable. Dans le doute. Comme ça, je pourrais jouer. C'est qu'un geek, ça joue tout le temps, hein, bien sûr. Hein. C'est connu. C'est quoi le concept de miroir? En vrai, le, le, but, le but final, c'est d'avoir un miroir dans lequel il y a un écran 4 tiers, avec une PS1 qui tourne, le CD en bas, etc. Pareil, on voit le CD qui tourne, tout ça, tout ça. Et ben c'est pas mal. On a relié là, bon. Euh, quoi comme miroir, un vrai miroir ou un autocollant réfléchissant sur l'écran Un autocollant réfléchissant sur l'écran, tout à fait. Donc, ça, c'est une mosse aussi. Il enfin, peut-être que je les coupe, hein, ces petits trucs blindage d'alu de Marthe. On va les couper. Couper Je trouve que je fais vachement bien la guitare à la bouche. Je ne vous demande pas votre avis, mais je pense que je le fais vachement bien. Hop. Hop. Et en pratiquant du buccal guitare, je te valide. Merci, c'est fort aimable. C'est fort aimable. Justement, j'étais en train de réfléchir, mais comment ça s'appelle le air guitare Non, c'est pas ça. air guitare, c'est faire semblant de faire de la guitare avec les mains. C'est du mime hein, c'est une autre pratique, hein, c'est euh, pareil mais c'est une pratique différente. Effectivement le buccal, buccal guitar, euh, c'est encore autre chose. C'est encore différent que le beatbox tu vois, hein, c'est encore différent. Donc bon. Voilà. Genre quand tu te brosses les dents à la salle de bain, t'as un écran de PS1 derrière le miroir pour jouer en même temps. Tout à fait. Moi je pensais plus à le mettre dans mes chiottes. Mais euh, effectivement. C'est le principe. C'est le principe. Bon, on est d'accord que par contre, celui-ci qui est un ground et celui-ci qui est aussi un ground, je peux les relier euh, les deux au même endroit. Hein. Parce que dans tous les cas que je le relie là, que je le relie là, c'est pareil. Owen brie Bah ça va très bien, tu vois, on avance. Tranquilo, Bilo, on avance. C'est pas dit que ça marche à la fin parce que je suis pas sûr de mon tuto mais mais on verra bien. Et ça je vais le souder là-bas, en plus simple. Ça, ça me fait penser que j'ai des euh, des euh, des porte-clés, envoyez-moi cette histoire. 400 degrés, ça me paraît beaucoup. Je vais redescendre à 340. On descend d'un étage, mon bonhomme, là. Attends. Sur son miroir, let's go. Et oui. J'attends que ça refroidisse. Ça refroidit vite, non Non. Allez, gamin. Hop. Voilà, on essaie de faire des soudures solides quand même malgré tout. Euh, et là j'ai encore la masse de l'écran, enfin du RGB plutôt. Euh, J'avais dit quoi Ah oh, si je l'ai relié avec le C hein. Je les relié. Hop. Oh, ça va être chiant, ça. Par raison sur les deux grandes, pour être sûr, des fois, il y a un condensateur qui traîne. Ah oui, non, mais là, là c'est sûr. Hein. Euh, c'est sur la même piste, ça se voit. Ah, je connais. Hein. C'est faux. C'est faux. Je te le dis, c'est faux. Très vite, ça va marcher ou pas, cette histoire Moi, j'y crois moyen, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal Il nous reste deux fils à souder. Celui-ci, qui va falloir que je ragrandisse. Et de façon, celui-ci aussi, je vais je le ragrandisse. Donc, je vais ragrandir les deux. Mmh. <laughs> ah d'accord, je... Ok, je comprends, je comprends. Non mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jamais content, ce kit. Hein. Je vous le dis. ne hein. savais pas que euh, Google, est... enfin, que le traducteur Google, il, il le disait, le, le putain, il s'en fout, il s'en fout, il le dit. Ah à foutre. Ah la foutre. Oups. Ça a tombé là. Enfin, J'ai de la thune à récupérer. <laughs> Comment ça t'as cru en moi hier et, euh, et du coup t'as perdu des thunes On peut faire une prête. Là, si vous voulez, on peut faire une prête de une minute, si vous voulez. Sur est-ce que à la fin, ça marche. Si vous voulez. Et on fait ça bien, mais même dans les, la game thermo. Bon. Qu'est-ce tu vas faire? Oui, si vous voulez, on est des professionnels. N'hésitez pas, prédiction en cours si vous voulez vous faire des points ou pas. Est-ce qu'à la fin le mode RGB fonctionne? Bon, le mode VGA, du coup, on branche, ça marche. Voilà, il n'y a pas de, de chichi, il n'y a pas de chacha. -cha. On branche, ça marche. Voilà. Bon, on va y aller au briquet. Hein. C'est quand même plus marrant. Let's go la prenne. Après, euh, faut que je sorte de ma grotte pour aller chercher des PC. Allez, deux grosses unités centrales, j'ai le seum. M'avait dit des portables. Aïe Coup dur On te les donne ou euh... Et ça, qu'on doit aller de l'autre côté j'ai inversé l'inversement du coup c'est à l'endroit ah oui on me les donne moi c'est cool parce que si t'achètes tu dis ah oh, je t'achète ça et derrière il te dit bah en fait c'est pas un portable <laughs> c'est une unité centrale ah bah d'accord bah super mais je suppose que t'as le somme parce que ça prend de la place <laughs> parce que ça se vend moins bien qu'un pc fixe aussi peut-être j'en ai partout chez moi oui j'ai pas voté, j'étais pas assez rapide. Ah, et bah ben voilà. Et bah ben voilà. Euh, D'ailleurs, Cécilosaurus, on en a pas parlé, mais d'où À quel moment À quel moment tu fais un shooting photo avec un, dos un Duster de la police municipale <laughs> Dans quel genre de bail Bresson tu traînes pour avoir <laughs> accès à ça C'est ouf. C'est ouf quand même. C'est Surtout que personne n'en veut. Ouais, bah je me doute. C'est quand même fou. Moi, je pense, que dans ta région, les flics, ils sont sympas. Ils ont dit allez, allez habiller en Robocop. Convaincu. On lui prête l'auto. Ils te l'ont prêté. Tu l'as ramené chez toi. Euh, <laughs> tranquillou. Hein. Tout va bien. Donc là, je mets du tape pour isoler un petit peu avec tous les fils qui se promènent dans le coin. J'ai des contacts. <laughs> ah bah je me doute. Enfin, mais Même moi qui a travaillé à la... au ministère de l'Intérieur, je pense que jamais de la vie j'ai accès à ça. Même moi qui est... Euh... Comment s'appelle Une amie qui travaille euh... dans la police. J'ai pas accès à ça. Je pense pas avoir accès à ça. Par contre, j'ai un gyrophare à la maison. Ça, j'ai accès, par contre. Pour mettre sur la R11. Ça, c'est la classe. Oh, en vrai, il faudrait que je le prenne et que je le mette sur le circuit. Mais je crois que sur le circuit, ils veulent pas qu'on mette ces trucs-là sur le toit. Si ça tombe. Déjà qu'ils ne veulent pas les, les GoPros. Ça semble dégueu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ça, ça va venir se souder ici. Sur la fou ego c'est un fougueux, pas de fougueux. Bon, on On dit. Se sont dit tiens un collègue. rôle de tenue pour un collègue. Pourquoi ils ont plus l'accent du sud des flics C'est pas. Hein. Tous les flics ont l'accent du sud, hein, c'est sûr. Alors on a besoin de relier donc V5 V5 c'est celui qui est le plus bas ok je lance une Ok, et donc là, c'est le troisième. Donc c'est bien lui. C'est le film noir. Hein. Vers 5, et ça. Fuck. C'est good. Vertical 5, c'est lui. C'est le noir. Tout va bien. La Fuego, c'est beau aussi. J'aime bien la Fuego. Les gens pas la Fuego, mais j'aime bien la Fuego. La Fuego. Ciao, Ciao euh, On a dit le noir, c'est Vertical 5. Vertical 5, c'est le petit pin qui est en bas et ensuite on donc... va... pas sûr que ce soit bien grave si on inverse la verticale. Enfin, verticale et. Euh, dans le sens où ça cassera pas, mais euh, ça marchera pas, tu vois. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Hein. T'as compris. C'est dégueu, bien sûr. J'ai du mal avec mes soudures. Et vous, vous ne voyez rien. C'est ça le problème quand tu as un, une caméra très zoomée comme ça c'est que tu es vite hors cadre. Avec la cassette qui roule vite dans la frigo pas Je suppose que c'est une ref au... à Movies. Non. C'est dégueu hein. C'est dégueu ce que je produis là ce matin. C'est fou, hein. C'est une disque miroir. Et ben voilà, ça c'est bien. Mieux. Bah ben, Je crois qu'on va pouvoir tester. J'ai tout cassé ou pas Alors, avant de le brancher à mon système, je vais le lancer tout seul. J'ai roulé en R4, R5, R11, R12, R14, R15, R17, R10... Mais t'as travaillé chez Renault R16, R17, R19, R20, R25, Twingo, Clio, DS, cela ne me rajeunit pas. Eh, boizou, là très travaillé chez Renault ou quoi Moi, j'ai essayé la R5, j'ai essayé la R11, forcément. Mais c'est tout. Chercher l'intruse. Je <laughs> ne sais pas. Je euh, sais pas. Je pas. Euh, Peut-être la DS C'est une console Je comprends rien, 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 à, rien. à voir. Rien à voir. C'est même pas une voiture, ça se conduit pas. Je comprends rien. Pas vraiment. Hein. Comment utiliser un multimètre j'aimerais bien. Euh, j'aimerais savoir tester... Comment tester les pièces électroniques Ça me fait un peu peur. Euh... Ouais, ça dépend de ce que tu as testé, mais oui. Euh... Mmh, adorer Renault échanger tous les deux ans, trop bien. Trop bien, trop bien. Euh, multimètre, euh, pour apprendre à le tester. Je suis pas sûr qu'il y ait de tuto euh, quelconque, mais euh, je saurais te dire. Va sur le Discord, tu peux demander des conseils. Il y a peut-être des gens qui, qui ont des vidéos à conseiller. Pourquoi pas. Euh, ça, ça dit quoi Ça dit rien RGB, ça me semble pas trop trop mal. Ok, ça touche pas le 5 volts. La masse ici, elle est pas mal aussi. Elle est isolée. Bon, bon on va essayer, on verra bien. On va essayer, c'est le moment. Donc, je vais brancher la lime juste pour voir s'il y a un truc qui brûle. Avec, si possible, ne pas brûler euh, le PCB. De surchauffe pour bon, l'instant ça va ok pas de brûlure pas de d'explosion tout va bien j'éteins je branche mon vg si ça marche first try euh, c'est noël hein. fin du stream soon merci euh, merci joe hein. je t'appelais jouer du coup merci joe hein. Allez, l'écran! Allez, l'écran! Tu veux pas? Tu veux pas jouer avec nous? Pourquoi qu'il reste éteint l'écran? J'éteins. J'allume. Ah! C'est cassé! Ok. Là, il n'y a pas de signal. Si je vais dans menu... Ah oui, mais non, faut il faut qu'il y ait un truc branché. Ça n'a pas l'air de très bien marcher, mon histoire. Impossible. Impossible d'afficher. Mais non. Pourquoi J'ai vu, j'ai ouvert, refermé, et direct, elle a marché. <laughs> elle a eu peur de toi, je pense, Cécile. Alors... Est-ce que c'est ce, euh, euh... ce que vous voulez dire tout à l'heure Ce que vous voulez dire tout à l'heure Non, attendez, il n'y a pas de rip qui tienne pour l'instant. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire tout à l'heure euh, le, le monsieur là avec sa, son ampoule euh, Comment je vais faire Pour tester sur un vrai VGA. Je vais tester sur mon écran là, là, pour voir. Si j'ai assez long. Bougez pas. Hein. Allez, on se débranche. Voilà. C'est branché. Source. VGA. VGA, nos signal. pas bon signe. Hein. C'est bon signe Pas bon signe. Parce que l'autre, il dit affichage impossible lui, il dit no signal. Encore une autre version. On... Ta console est bien allumée, bien sûr. Alors, attendez. Ça comme t'étais je retente peut-être y a un truc que j'ai pas branché, qu'il faut que je branche hein. je sais pas je vais regarder les deux tutos, faut que je regarde l'autre tuto donc là ça marche pas sur cet écran là ok mon dernier écran où je peux potentiellement brancher quelque chose, c'est lui qui <laughs> est là, là, dans mon décor ça va être compliqué. Voilà, ça. Attendez. C'est pipou, un PCB de PS1. Voilà, c'est même une PS1, donc c'est encore plus pipou. J'ai perdu une boule. Pas bien entendu, une boule de Noël. N'ayez crainte, je suis un professionnel. C'est marrant, je touche à l'écran et il sort de veille. Non. C'est bon. Pourquoi, pourquoi les gens vissent C'est moi bon, hein, qui ai vissé en plus. Alors attendez. Attendez. Rip la boule. Et eh oui. Adapteur PS1 vers VGA, tout fait Non. Bah Du moins, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Alors là, ça va être chiant du coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est la vie que j'ai décidé de mener, hein euh, alors, on éteint ça. Je débranche ça. Je vais débrancher mon écran et mon inverteur si Dieu le veut. Voilà. Comme ça, au moins je peux promener juste ça. Ça, c'est bien. Et ça me fait moins chier du coup. Hop, parce que trimballer la dalle et tout. Rip le mode VGA. Bah ouais, du coup, ça a pas l'air de très bien marcher. Euh, je débranche les enceintes aussi parce que ça me fait chier. Tac. Hop. Est-ce qu'à votre avis, ça va mal se passer Je pense que oui. Hein. Alors, petite PS1. Hein. Si je te branche là, tu dis quoi Allô Écran noir. C'est plutôt positif dans le sens. Euh, dans le sens où. Ça voudrait dire. Que potentiellement. T'es mis en veille ou es juste t'aimes pas, pas mon VGA hein Tu t'aimais pas mon VGA hein Pas mon VGA hein Pas ah, Attendez. Celui-là, c'est censé afficher quoi sur la PS1 Je vais débrancher là et débrancher là, tout simplement. Non, parce que ça le sort quand même de veille, mais ça affiche un écran noir. Donc, je pense j'ai merdé un truc. Je pense que j'ai merdé un truc et qu'il y a moyen que ça marche. Je préfère que ce soit dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire c'est bien parti pour moi, mais cerise pour deux, du coup. C'est pas grave! C'est pas grave! Je pense que j'ai foiré un truc. Alors quoi? Mmh, 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 mmh. Hop! Et hop! Ça, il faut que je rebranche ça. C'est fou quand même de brancher une Xbox One en VGA quand même, non Trouvez pas. Trouvez pas ça fou Moi je trouve ça complètement dingue. Attendez, on voit le scotch, on voit la supercherie. Voilà, on la voit plus. Je pourrais être... Euh, ouais. euh, très bien. Voilà. Euh, du coup, les modos, je vous laisse euh, malheureusement refuser la prod, la prod, la pred et euh, parce que ça marche pas, tout simplement. Je vais voir si je me suis pas trompé sur quelque chose, et on verra. Malheureusement, malheureusement. Euh, je vous mets juste une toute petite page de pub, et j'arrive tout de suite. Ok, à tout de suite. Hein. J'arrive. Hein. Ruh, 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 ruh. Euh... Euh, quel est le type de sortie de la PS1 euh... Ça sort du péritel à la base, enfin t'as une prise. T'as une prise euh, qui est convertie en, en péritel à la fin. Alors attendez, je vais voir ce qu'il a fait l'autre. L'autre monsieur. Parce que là, en fait, on a un. Il a l'air d'avoir un, un système euh, lui aussi. Il récupère le RGB après. Il ne le récupère pas au même endroit que moi. Tu veux avoir l'explication de pourquoi ça marche pas comme ça Bah ouais, c'est censé ne serait-ce que marcher un petit peu Ah putain mais c'est vrai que ça marche pas ce site Domart. Donc on voit bien que comme moi il se relie comme ceci, comme ceci. Tout le monde est relié à la masse et lui pareil, tac tac tac, comme ceci. Donc j'ai bien relié comme lui de ce côté-là, je pense. Si on inverse les RGB en vrai, ça fait quoi Ça modifie les couleurs ou... Et après, il y a le VSync qui est là. Alors peut-être que j'ai mal relié sur la... le VG1. Les intermédiaires ne supportent pas en dessous de 480p de mémoire, mais le PS1 est en 240p. Mais ben pourquoi ça marche lui alors? Peut-être parce que lui il est bien trop fort et qui sait ce qu'il fait correct, mais la fréquence de synchronisation est 15 kHz sur la PS5 contre 31 pour le standard BG1. Il est ça qu'un coup dans l'eau. En BG1 ou Merci, euh, merci Oliver de ton aide. Bienvenue à toi Hats. Ah, merci pour ton follow. Parce qu'effectivement il le dit. Ah mais attends ça veut dire qu'il essaye ça sur un... Ah oui non mais lui derrière c'est peut-être pas pour être utilisé sur un moniteur PC. Il faudrait un écran qui supporte le 15 Hz. Enfin, 15 kHz. Donc, tu es en train de me dire que ça va pas marcher. Et tu le savais depuis le début C'est pas possible. Deg de. Euh, je me poserais même pas la question si j'avais euh, directement récupéré ici en fait le bon. Euh... Bah, ce qu'il me fallait quoi. Si j'avais récupéré de ce côté-là euh, directement le, le composite, je me serais même pas pris la tête. Comme euh, ce que j'avais fait dans l'autre en fait. Rippot kapertitoto, ouais. L'heure des 15 kHz, ouais. List of modern, euh, monitor that support 15 kHz analog RGB signal. Ça, c'est un, un 404, je pense. Oh, même pas. Bien, wesh. Ouais, Wikidot. Ah, et donc là, tu as tous les écrans. Très bien. Fort bien. Mon histoire de mode VGA sur ma SS, donc je vais continuer à taper dessus et je te tiendrai au jus. Oui, bah du coup, moi je vais, je vais <laughs> moi, je vais pas me prendre la tête. Moi, je vais pas me prendre la tête. Dessus, on va trouver une autre solution, c'est rien. On va trouver une autre solution, c'est pas grave. Hum... Je vais regarder rapidement sur AliExpress. Si j'ai pas moyen de... de récupérer quelques caractéristiques de ça. J'ai 15 notamment les moniteurs utilisés avec des Amiga 500. Mais c'est un peu plus compliqué, du coup. Ouais, le, VR, le VR. Ouais, mais c'est pareil, du coup. Je pense que c'est un même. On va être encore bridé par ce truc-là. Euh, c'est lui, le mien. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi sur le mien, j'ai deux prises jack sur le côté. Ce que je trouve vraiment bizarre. Du coup, je me dis peut-être qu'il y a une des deux qui est en fait une, une composite. Ah, tu vois, là, il y en avait un avec le, le, le composite. Moi, j'aurais bien aimé le composite. Hein. Mmh, item description: Peritel vers euh, 1 Oui, mais je pense que le Peritel, pareil, Peritel vers VGA, il va pas, ça devrait pas le faire, je pense. HDMI DVI VGA Audio LCD Controller Board. Pourquoi ils ont mis deux prises audio? PC Audio IN. Ah d'accord. PC Audio IN, on est sur... Euh, OK. Barip. PC Audio IN et on est sur un écouteur out. Donc on peut brancher des écouteurs en sortie, mais on peut brancher aussi le... Oui en fait le... Comme il y a le euh, mince. Le VGA, forcément. Qu'elle est très peu euh, coexister avec le VGA. Ah oui. Euh... Et le composite, je présume que je ne peux pas l'avoir sur le DVI ou sur, euh, sur autre chose. Ça c'est marrant. Putain, je vais mettre le deuxième écouteur parce que les voisins du dessus, je sais pas ce qui branle, mais euh, j'ai envie de les frapper. Euh... VGA composite, on va voir. Ah si, ça a l'air d'exister. Ça existe vraiment, ça C'est l'inverse en plus ce qu'il me faut, moi. C'est composite des et numérique. Donc, ouais, c'est mort. Donc, ça sera. Si j'ai besoin, ça va être le, le VGA. Si je fais VGA data sheet, à quoi correspondent les, les pins C'est con, cool, hein C'est une histoire de fréquence, du coup. Merde, c'est pas ça que je voulais mettre. Hop, ça. Au final, j'ai pas. J'ai pas. C'est mort. Aïe, 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 aïe. J'ai très envie de péter une vitre de mes voisins. <laughs> Mais je me dis, c'est pas une bonne idée. Non, ça va. Euh... Je vais voir un truc. Je me dis dans le doute, ça peut marcher. Je me dis dans le doute, ça peut fonctionner. J'ai quelques adaptateurs. Bienvenue à toi, Poetic Lovers. Je te pense, à un circuit converti de 15K en R31. Juste. <laughs> euh, il me semblait que j'avais. En avoir en rab, mais j'en ai pas en rab. Je, je vais prendre celui que j'ai derrière. J'espère qu'il est dans le bon sens, surtout. parce que Là, qu'est-ce que je fais dans l'autre Je convertis du HDMI en VGA. On va essayer, on verra bien. Attends, un truc. Il y a pas de truc à vrai, contact SOS violence conjugale. Il n'y a pas des, de, de violence conjugale. Là, il y a de, de les voisins, je sais pas ce qui branlent. mais... Euh, il commence à me taper sur les nerfs. Je vais tester comme ça et puis on verra bien. Sur un coup de tête, ça peut marcher. Ça, il ne signale. Il n'a pas l'air content. <laughs> Forcément. Il n'a pas l'air content. Euh... C'est con, hein C'est con. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. tant pis. Commande non et non Ou bien il se jette par terre. Là je pense que... Je sais pas en fait. Je pense que qu'il pèse plusieurs tonnes. Parce que c'est pas possible autrement. Ou ils le font exprès. Hein Juste... Euh... En fait le problème c'est qu'il y a une, une jeune qui est en haut. Qui est en pleine crise de d'adolescence là, qu'on a rien à foutre de la vie de, des autres et euh, qui marche comme un énorme sac en mode euh, j'en ai rien à foutre euh. l'important c'est d'avoir une démarche stylée. Hum... je pris un adaptateur, peritel vers VGA, à 5 euros. Oui mais il y a le peritel vers VGA, donc t'as envoyé le lien sur le Discord on va regarder, mais euh, je ne sais pas s'il si va forcément bien marcher. Ah, tu l'as pas envoyé. C'est pas dit que ça marche non plus. Est-ce qu'il te convertit en, en, en 31 kHz, comme on a dit tout à l'heure Peritel vers VGA. Mais dans ce cas-là, en fait, je prends un Peritel vers, vers HDMI. Ça, je sais que ça marche. Ça je sais que ça marche. Ou un composite vers HDMI. Et il me semblait qu'il y en avait d'ailleurs chez Action, mais il n'y en a plus. Rip. Ah, oh, pas de soucis, Yaoun. Toi aussi attaché <laughs> une vache dans ton appartement. Non mais eux, je te jure qu'ils... Des fois. T'as comment envie d'être violent, hein. surtout que y vas ils sont en mode chien battu. Euh, mais on va pas s'arrêter de marcher quand même et mettre des chaussons. C'est bien aussi non On a ce genre de choses et je pense que ça va finir sur un achat de ce type-là. C'est pas grave. Pour afficher l'hdmi sur le sur le pc. Mm -mm. Ah t'as posté dans le c'est pas grave. Oui mais non ça, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Euh... Parce qu'en plus du coup c'est un câble simple, ça marchera pas forcément. Et en plus de ça, euh, au cul de ma console c'est pas une prise Péritel. c'est une prise différente. Tu vois un truc comme ça, je pense, que je vais acheter. Ce sera plus simple. Ça sera le plus simple, je pense. En plus, ça prend pas de place, c'est tout petit. Alors, je pourrais les payer très peu cher en les achetant sur, euh... sur AliExpress. Mais comme je le veux rapidement. Euh... Mais alors, du coup, est-ce qu'on est dans le bon sens On n'est pas dans le bon sens. Celui-ci, on n'est pas dans le bon sens. Input, output, c'est ça qu'il me faut. Input, donc ma PS1 qui rentre là-dedans et qui ressort en HDMI. Voilà. Tu vas finir, retirer de sa coque dans les 3 minutes qui suivent le test. Bien sûr Ça, c'est bien, bien normal. Ça, c'est bien normal. 16, 9ème là-dessus, il y en a qui ont fait une crise cardiaque. Je suis désolé, c'est pas grave. Il y a des boîtiers à et tout. Hein. Attention. Ça fait rêver. Hein. T'as l'impression qu'avec ça. Euh... Moi, ce que je comprends pas, c'est que les photos, elles correspondent à rien. Là, tu sais pas à quoi ils jouent. Genre, regarde, c'est fou. Genre, tu vas brancher ce PC-là en composite pour le ressortir en HDMI. <laughs> ça fait tellement rire. trop bien c'est trop trop bien eh ben on va commander un euh, juste après participe à l'achat en don <laughs> ça va je c'est gentil hein c'est fort aimable mais je euh, je vais, vais l'acheter hein. c'est le projet que j'ai choisi à la base hein. euh... j'avais dit quoi rca vers hdmi hop si vous voulez faire des dons faites des dons hein. <laughs> mais euh... Moi, j'ai passé un lien, C'est pas Amazon. Waouh C'est pas Amazon Qui est pas possible Oui, il y a ces trucs là aussi, mais pareil, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. C'est pour ça que je vais prendre l'autre, euh, l'autre petit, euh, l'autre petit dongle. Ça fera, ça fera le taf. Ok. Bon, c'est pas grave. Je vais enlever mon câble VGA. Du coup, c'était une belle tentative. On remarquera que c'était comme une belle tentative. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Il faudrait effectivement convertir le... De ce que j'ai cru comprendre, hein, je ne dis pas ça comme si je le savais, comme si c'est moi qui avais inventé le truc, mais il faudrait convertir du coup le 15 en 31 kHz. Et là que ça pourrait marcher. Tant pis. Alors l'avantage c'est que là on n'a rien défait de la console d'origine. Donc ce qui est cool c'est qu'on a juste à enlever le câble et puis c'est tout quoi. Tant pis. Hello papaye. Puisqu'il fait euh, ça, mais tu attends un mois et c'est certain que ça marche pas à la fin. <laughs> ça marche à la fin. Oui bon. On va faire au plus simple et au plus économique hein, une fois de plus. Après ces projets-là, souvent, il y a des imprévus. Hein. La PS4, il n'y a eu que ça. Hein. Ça a de la grosse concentration. Ouais, on se concentre un petit peu. Hop. Bon appétit, merci d'être passé. Donc on enlève ça, c'est pas grave. Là, il aurait peut-être fallu un, un écran cathodique pour tester euh, le 15K, enfin trouver un écran compatible surtout. Mais comment du coup tu. C'est sur quoi C'est sur le. Le C5 que tu viens augmenter la fréquence Si tu as à le faire tu l'augmentes en 31. Je suppose que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas juste euh, augmenter comme. Euh... Et puis la Eh oui. est que l'adaptateur doit être alimenté Peut-être. Des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, il y a besoin. Bon, ça, on va pas le jeter hein, malgré tout. Hein. C'est toujours du câble, une fois de plus. À plus, Oliver. Merci d'être passé. Je crois après le live je vais aller les voir. J'aime pas aller voir les voisins. Je supporte plus leur tête, mais je crois que je vais aller les voir après. Parce que là, il me. Il pousse le bouchon un petit peu là. Il y a des soudures pour euh, dégrader la qualité de l'image. Tant que ton contact il est bien fait. Euh, J'ai envie de te dire non. Mais effectivement, euh, si tu as une soudure euh, qui est poreuse et qui est pas, euh, qui est pas terri terrible, euh, potentiellement ça peut, ça peut être compliqué. Deuxième tentative. Ah Elle est marrant, Faro, euh, ph une blinde, parce que le, le câble, il est blindé, c'est ça Mais non Ça, elle est trop forte, celle-là hein. Ah, je l'ai eu, euh, eu one shot en plus, je l'ai eu direct. Putain, hein, trop fort. Elle est, elle est trop bonne. Hein. Ça, c'est de l'humour comme on aime. Hein. C'est facile, 15K plus Magic, 31K. Dans ma tête, ça donne ça. Là. Mais c'est pour time simple. C'est trop fort. Ah, bah merci, écoute, hein. Ça, on va le mettre sous gain thermo. Comme ça, au moins ça m'évitera de le faire se promener bêtement où oui, il a gagné thermo la coupe à la pince coupante hein. c'est pas parce que j'ai la flemme de sortir mon ciseau qui est dans, juste à côté hein. non 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 c'est vraiment juste parce que c'est le plus pratique une ampoule en poule je viens de comprendre <laughs> ah d'accord <laughs> voilà. Ça, c'est bien. Avec une batte de baseball et une housse de coussin. Sur la malentendu, ça passe. Je <laughs> suis pas sûr que les menacés soient une bonne idée. En fait, le truc, c'est que je, je. Ils ont pas de gamins et ils marchent comme si c'était des gamins qui couraient partout. Enfin, je comprends pas. Et surtout que. Bah. Dans la vie, enfin, je sais pas, tu fais pas tout le temps des allers-retours chez toi. C'est ça que. Qui a parlé de menaces Si tu te pointes avec euh, une batte de baseball et un coussin, effectivement. Alors, ça, c'est protégé. C'est bien. Ça, c'est bien. Hum. Une arme à base de condo explosif. <laughs> si je viens avec un fusible, ils vont pas comprendre. Et après, je leur montrerai le clip qui est passé chez Popcorn. <laughs> Et là, ils vont se dire, oh putain. Oh putain. Bon après je serai vite repéré. Hein. Non mais entre adultes, normalement, enfin, t'es pas censé être... Euh... Être menaçant ou autre, c'est ça le problème. Quand tu es un minimum, euh, je dirais intelligent, mais c'est compliqué avec eux. Mais euh, normalement, tu pas censé être comme ça, quoi. Alors, on va passer à la V2, au deuxième projet, et on va venir euh, s'occuper de ça. Euh, Tac. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais sur Eneba, tout à l'heure, euh, enfin tout à l'heure, prochainement, il y aura des choses intéressantes. Des petites réductions qui font plaisir. Sachez-le. C'est voilà, la petite info que je vous donne. En vrai, euh... si ça. bah Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ici, on va se prendre la tête. On va pas se prendre la tête, ça normalement ça se débranche, pas du tout. Moi je veux derrière, donc les soudures. À le dessouder. Hop. Proprement, hein, bien sûr. Hein. Attendez. C'est parti hein, en spéléologie dans le datasheet de la PS1. Donc, oui, c'est C5 qui sort du GPU, rentre dans le RGB encodeur et euh, rentre il faudrait intercepter et augmenter la fréquence. Non mais te prends pas la tête, hein. comme je disais, acheté, je vais acheter un boîtier un boîtier, euh, un boîtier euh, péritel vers HDMI et ça fera euh, très bien le taf. Hein. Enfin, composite vers HDMI même. Ça vous est déjà arrivé des, des querelles de voisins Mais le pire, c'est que vous devez me prendre pour un fou, genre en mode « Mais attends, on n'entend rien, euh... on n'entend rien ». C'est sûr, euh... c'est sûr, c'est lui qui, euh... qui chipote. Oui, ouais, et je vis dans un pavillon. Ah, compliqué ça, du coup. Ça finit à coup de poing. Ah, d'accord! Rassurant. Et bien, c'est que quand on était allé voir les voisins autour, parce que pendant un moment, vraiment, c'était invivable. Ça gueulait tout le temps, ça pétait des crises à, à, à chaque instant. C'était assez casse-couille. Hein. Et quand on était allé voir les voisins autour et tout, ils étaient à... Ah bah oui, oui, on sait. Elle euh... nous casse les couilles aussi. Euh... Ah d'accord. Ah d'accord. Les voisins, je les débanne depuis, ça va. <laughs> Toujours banne les voisins, bien sûr. On failli se mettre sur la gueule à la dernière réunion de copropriété. Oh putain. <laughs> la bonne ambiance. Ah, tu sais que tu vas, c'est pour le spectacle, quoi. Attends, je vais chercher une nappe. Je ah. chante vachement bien quand même. Hein. Allez hop, ça fera l'affaire. Moi je parle pas à mes voisins. Bah ben nous, notre voisine d'en face, elle est gentille. Hein. Ça, ça va être du gros câble. Hein. la vache les vaches se foutraient avant sur vous ah. je te rassure j'ai le même problème euh, que toi avec mes voisins du dessus et plus on en parle plus j'ai l'impression qu'ils le font exprès ah putain la vache ah mais le pire c'est que cet été euh, ils nous ont vomi dans le, dans le jardin genre ça coulait de leur fenêtre c'est pour vous dire à quel point c'est parce que en gros il y, y a une gamine il y a la grand-mère et il y a la mère tu vois et même la mer, donc c'est à dire que ça a coulé de notre rebord de fenêtre. Ok. Euh, le karma les rattrape. Patience, euh, toutes et tous. Oui, oui, je me doute. Euh, ça a coulé de leur fenêtre, donc on voit très bien que ça vient de chez eux. Et même quand tu viens les voir, on leur dit ça. Et ils disent Ah bah ben non, non, c'est pas nous. Euh, tout ça, tout ça. Et genre, même la daronne, elle prend la défense de ses gosses en mode Mais putain, mais je sais pas, si tu veux faire son éducation, on la défends pas alors qu'elle a fait une connerie, quoi. C'est dingue, hein. c'est dingue. Hein. En plus de, de ça, c'est con, ils ont fait la fête toute la, ils avaient fait la fête toute la soirée là. Enfin, c'est vraiment les pires. Hein. C'est fou. Hein. C'est Steph. Bref, c'est énervant. Lecture de voisin. Et la dernière fois, j'ai fait mon connard, c'est-à-dire que la fenêtre de leur voiture était ouverte dans le parking. Sachant qu'en plus de ça, ils ont annoncé dans le parking, attention, il y a des gens qui rôdent pour voler dans les voitures. Et on arrive dans le parking et leur fenêtre de voiture est ouverte. Et leur, fenêtre, leur fenêtre était ouverte. Moi, j'étais en mode, bah tant pis pour eux. Et madame, sur un élan de bienveillance, est allée sonner à leur porte pour leur dire, attention, votre fenêtre est ouverte, machin. Et ils ont pas répondu. Je euh... ouais. reste à l'heure qui retourne euh, bosser mes projets pour passer commande RS avant 19h et recevoir les composants demain. Bon allez, il faut que je fasse pareil. Je fasse pareil. J'ai mis dans leur fenêtre. Ils, emmené, ils se sont dit, la rue est à nous, euh, on se garde devant chez n'importe qui. Le mari a été malade, il est mort, pas de bol pour eux. Oh la vache, oui, effectivement! Compliqué. Est-ce que tu fais du vaudou euh, ou bas Voilà, Et on va pouvoir faire une rallonge. Je vais pouvoir les relier là à de là-bas. Ah, bizu, on a on a connecté avec le bisu Soit disant Mécano, c'est foutu de mes voitures. Spoil, ce mec est toujours en panne. Et <laughs> d'où il se fout de la gueule de tes voitures, t'as une deux chevaux. Quand tu mécano, euh, tu vois une de chevaux, normalement. Euh... À tout le monde que le gouvernement euh, dispersait le Covid avec des hélicos. Des fleurs en était morte. Et il y a trois semaines, elle a chopé le Covid. Sept jours après, elle est décédée. Oh, dur Compliqué. Bon, alors attention, hein. je tiens à le préciser. On ne souhaite pas la mort, c'est quand même assez euh, compliqué. Avant, j'avais une corsade 96. Tu te bien une corsade 96 c'est un glauque, ouais. Faut faire attention quand même. Ne souhaitons pas la mort, ok. Mais euh, je comprends. Je vois le, vois le truc. C'est quand même un peu co cocasse. Ah la vache. Ça fait mal aux doigts quand je les coupe, les, les fils. Ok, et donc on va relier notre du coup RGB plus 5 volts de là à de l'autre côté. Tout simplement, comme ça on aura un, un fil tout beau. Soyons Sur en surtout, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et dans le bon sens aussi. Et là, je crois que ça y est, elle est passée sur le live. Elle a dit "Oh putain, il parle de nous. On va hâter de faire les cons." Mais je comprends pas d'habiter en appartement et d'être aussi égoïste en fait, ça qui est. Mais non Très gentil dans la rue, en conflit avec leur propriétaire, ils étaient locataires. Pour des raisons de normes légales, le propriétaire a vendu à un requin qui a repris. Qui a entrepris de terroriser le quartier pour les pousser vers la sortie. Ah ouais Chaud quand même Compliqué là. Ça a une odeur de merguez. Est-ce que j'ai faim Je pense que oui. <laughs> Je viens et wifi était Dans je suis revenu les mains les mains vides. Ah merde, bah alors. Xmas. Rip. Bah info qui est dans le même cas un peu que que moi avec des voisins du dessus qui font euh, beaucoup trop de bruit quand ils marchent. Enfin quoi que je crois c'est pire toi. Et là, moi depuis tout à l'heure il casse les couilles. Je Chant de tout casse. Mais qu'est-ce qui s'est passé Du coup, ça, c'était pas intéressant, finalement. Il y a des écrans d'Alcatel. De ah oui, d'accord. Mais quand c'est comme ça, tu veux pas demander euh, De, t'as pas demandé des photos avant J'avoue, c'est photo obligatoire. Hein. Ne fasse pas de bruit, mais purée, il dure. Il dure de leur faire comprendre. Ouais, je comprends aussi. Mais alors, par contre, si c'était des enfants, ça me dérangerait pas. Il est là le problème, c'est que là, au-dessus, c'est pas des enfants. En me disant, c'est une boîte, ils ont euh, dû passer tout le monde de tour à portable avec le Covid et ça va être du matos récent. Ah, ok, d'accord, je, 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 je vois, je vois. Je vois le, 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 le bail. Bah, rip. Rentrer bredouille là-dessus. Mais en fait, pas du tout envie de cadet. et eh oui. <laughs> Les voisins, c'est gratuit, catapultez vos morts. <laughs> et oui. Mais en fait, tu vois, Joe, s'ils avaient des enfants et que c'était des enfants qui font du bruit, effectivement, je serais plus compréhensif. Tout simplement parce que c'est des gosses. Tu peux pas. Euh, c'est dur l'éducation d'un gamin, ça se fait pas en 5 minutes. Mais là, c'est des adultes en fait. Même si elle, c'est une ado, arrive à un moment. Euh, J'ai été tellement con le jour où elle a fait tomber son iPhone euh, dans le jardin. Enfin tomber. Où la daronne a jeté l'iPhone dans le jardin, plutôt. J'étais tellement con de lui rendre. J'aurais tellement dû le garder et dire Ah bah non, euh, je l'ai pas vu, euh, il est pas là. J'ai tellement dû le garder. Trop bon, trop con Hop, c'est bon. Oh, rien ah oui, non, bien sûr Bien sûr. Pas de souci là-dessus. Ils sont indéfendables de toute façon. De toute façon, vous avez que ma version. Donc, euh, potentiellement. Euh... Je l'ai mis dans le bon sens ou pas Oui. Tu aurais pu le rendre. Tu aurais pu le rendre en tordant légèrement le pin du port de charge. Comment ça, Ouba C'est une blague que j'ai pas compris. Alors attendez. Ah oui, te... d'accord, ok, l'iPhone. Ouais. ouais j'avoue, j'aurais pu le niquer encore plus. iPhone tout, <laughs> avec contactif bien sûr. Ah oh, mais je suis trop gentil. Saboter, beauté... Ouais j'aurais dû, j'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais dû. Ou le bloquer, tu sais, essayer de le déverrouiller, mais pendant six ans. Jusqu'à jusqu plusieurs mois. Et dire, ah bah je l'ai trouvé comme ça, avec l'eau, ça a dû essayer de déverrouiller l'écran. Par contre là, tu vois, ils ont su descendre, tu vois. Quand ils balancent leur mégot de club par la fenêtre, quand ils, euh, quand ils font tomber des trucs ici et tout, ah, ils viennent pas. Hein. Par contre, quand c'est pour un iPhone, tout de suite, ça se déplace. Hein. Ils disent ainsi tu peux envoyer des colis de merde à l'adresse que tu veux. Ouais. Mais ils fouillent même pas leur boîte aux lettres, ces cons. Leur boîte aux lettres, elle est remplie de pubs jusqu'en haut. Enfin c'est déjà en fait ils en ont rien à foutre de... Ils vivent, c'est tout. Tu verrais l'état de leur voiture. Tu verrais l'état. Qui m'a été envoyé par un follower pour le réparer, mais il ne se souvient plus de son mot de passe. Ah yes. Ah, je me demande s'il vient pas de. si c'est pas moi qui, qui l'ai conseillé. Bah, y des car il veut récupérer les photos dedans. Bah tant pis pour lui. <laughs> tant pis pour lui, tu peux pas aller brute force ces trucs-là, non Oh, l'iPhone je suis en train de réfléchir à <laughs> pourquoi j'ai pas récupéré l'iPhone j'aurais tellement dû ne serait-ce que pour récupérer genre le code wifi de chez eux et je sais pas foutre la merde là dedans bref bah, faut pas que je commence à dire des trucs comme ça avec une cassos en fait ouais un petit peu ouais on peut les enlever. Ah euh, Dégonder les portes et les stocker sur le balcon, sympa pour le propre... Non mais ça a grandi. Ça fait des plus grandes pièces. Putain, j'arrive pas à le souder. Non, mais un jour, repérer leur fibre, la casser, tu vois, tu comme ça, mais devenir chiant, vraiment chiant. Ah, qu'est-ce que t'as dit, Lion Tu étais jeune et sympathique. <laughs> ouais. Non, mais bah visiblement, une une, ils ont une vie un peu compliquée. Ah mmh, Les belles soudures. Des petits sur l'imprimante en wifi, mais grave. Si tu continues, je te tue. Des menaces, tu sais. Je leur envoie des crocs en photo ou des chaussons. Et ben voilà. Il y a un homme de bon sens à avoir Euh, elle recharge pas mon ma batterie. Ah si, elle rechargeait, je pense. Et voilà. Donc, je pourrais mettre les LED dans le dans le cadre. Ben, en gros, elles seront en bas, de part et d'autre, pour venir éclairer le, le CD au milieu. C'est cool. Ça, c'est good. On a réussi un truc. On avance. Wouhou Attention. Hein. Ça avance sale. Hein. Ok. Là, on va attaquer un peu plus, un peu plus lourd. C'est-à-dire qu'on va devoir agrandir cette nappe et agrandir ceci. Ok. Ça, ça va être le plus simple et c'est ce qui me fait le moins peur. Dans le sens où, euh, dans le sens où c'est plutôt fin, c'est du fil, ça va. Et c'est l'alimentation. Ça, je ne sais pas si justement la longueur de la nappe n'a pas un intérêt dans le dans le chemin. Alors, je vais rechercher dans mes nappes là-bas parce que je sais que j'en ai plein pour continuer à Faire des choses, ma foi, conseil propre et comme j'ai été con et que j'ai mis ah mon matériel là tout en dessous, <tousse> Euh, de trouver une LED verte pour ma DS. Une LED verte. <laughs> Va sur le Discord effectivement. Et explique tes besoins. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est un peu. Euh, J'ai pas compris. Bon bruit Bon bruit Donc là, il me faut 4 fils. Comme ceci. Hop. Donc c'est une nappe d'une vieille télé euh, Samsung. vais-je me coûter coupé je ne sais pas pour le pop Well up. Alors j'aimerais bien enlever, il y a un petit morceau de Guianzermo là. Il est épais. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Peut-être pour rejoindre les deux câbles. Hop. Ça, je pense que ce sera assez long. Ce chiant, c'est qu'il a de la colle au milieu. Du coup, je suis obligé de le nettoyer. Cette musique, elle est folle quand même. Bon, la, la Xbox euh, que j'ai mis en vente. Je pense que si j'avais mis une manette avec, ça aurait été plus euh, intéressant. Comme si, j'en ai pas en rab. j'allais pas vendre ma dernière manette Xbox. Bah, c'est compliqué. Et c'est compliqué hein, de trouver une manette euh, dans les 20 euros. Manette Xbox One. En bon état et tout. Alors, on va venir étamer nos fils. On va couper là et on va les mettre là. Sortez la fin, le diffondre sur sérieux. la famille du genou. Oui, le voisin en dessous, arrête pas de nous. Pour les affaires. Il parle seul toute la journée. Là, es vraiment, t'es possédé et envoie des crocs bout du. On a beau lui dire il ne veut rien savoir. Juju courbette, on ne sait plus quoi faire. Allez bonne, elle est bonne! Elle est bonne, elle est bonne. J'aime bien. Et bienvenue à toi, RichTug TV. Bienvenue à toi. Merci pour tous les followers hein, depuis ce matin, là. Ça a l'air de vous intéresser finalement ce petit projet un peu farle-farlefus. Bah même les HS, ouais, ben bah, voilà, elles sont... Enfin ouais, non, le problème c'est qu'elles sont HS à moins de 20 euros. Et souvent, quand elles sont à elles sont éclatées au salon. Elles sont éclataxes. Pampitao. Salut Arnaud. putain On va prendre de la gaine hermorétractable. Oh le pas. Moi qui est le plus beau, c'est qui <laughs> Arrête! Je ne veux pas y croire. Arrête! Comment il va le émule-moi là-dessus? Comment il va le émule-moi? Émule-moi, jeune Jean, ça fait des lives de qualité sur son stream bien. N'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne d'un dans Hop là, on récupère le câble. N'hésitez pas. Fang Et oui. Il va pas trop mal. Voici, bon, va pas trop mal alors. C'est crash ce soir. Ça, ça play ce soir Quel crash Lequel Il y en a beaucoup. C'est voisin, plaque tout pour aller faire des gaufres. Et oui. Crash sur GameCube. Moi, allez. C'est bon ça. On coupe au milieu. Un moniteur en miroir. Un écran de PC portable. Effectivement, en, en, en écran, euh, bah, écran qu'on peut utiliser en HDMI VGA DVI. Et euh, cet écran sera, euh, sera mis dans le miroir, tout simplement. Voilà. Écran qui vient d'un PC portable que l'excellent, le cultissime, le cible beau Inforéa m'a donné. Alors Inforia, allez le suivre, s'il vous plaît Il faut qu'il atteigne les, 10, les 2000 follow sur sa chaîne. Et il fait gagner, regardez-moi la générosité de cet homme-là, un PC portable. <laughs> ah oui Allez, suivre Un je vous en supplie. Il manque même pas une dizaine. Il manque même pas une, une dizaine de follow. Donc euh, vraiment. Attendez, je vous mets le lien. Je vous mets le lien. Regardez ça. Voilà. Oh le bague a été rapide là-dessus Il faut l'eau. Voilà, il faut l'eau. Parce que l'eau... Elle l'eau. Dans 20-30 ans, Bah ben oui. Pu. Qui d'autre Et bonsoir, Sky Joke. Et bonsoir Comment il va le SK, le Joke Venez quand même... Non, mais tout à fait. C'est pour ça que je dis que je fais mal la pub. N'y allez pas juste pour potentiellement gagner. Ah, ça, ça va pas. Ça, ça va pas, effectivement. N'y allez pas juste pour gagner. Ok Potentiellement, il euh, y aura beaucoup de gens qui vont tenter leur chance. C'est compliqué. Allez-y, parce que cet homme-là, il fait des réparations. Il fait des réparations pour la bonne cause. Pour l'environnement. Pour les gens qui n'ont pas les moyens de, euh, de se fournir en informatique, etc. Là, oui. Là, tu vas. Là, tu soutiens. Bon, après, si tu vas juste pour avoir un PC portable, bon. Comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a Joke aussi qui fait des lives sur sa chaîne, tiens Bah oui. Bah oui. Comment il va Et les associations, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, il aide les gens et tout. Vous voyez, moi, quand on me demande de l'aide, je dis, va sur le Discord. Et bah lui, non, il aide. <laughs> il aide ou il redirige vers le Discord. Et ça, c'est bon. Et aujourd'hui, j'ai eu euh, du temps, donc je passe. Ah, bah voilà. Ça, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne va plus au soirée, là, dis donc. Non. Bien sûr, Sketch Joke, ça fait des lives sur sa chaîne. Bon, ça fait un petit moment, ça fait un petit moment, il est, il est pris en ce moment. Mais sur des jeux, ma foi, peut piquer des hannetons. Hop, là. Voilà. N'hésitez pas. Hop. Tu vas pas une ça où tu fais un miroir, je comprends pas trop. <laughs> Mais qu'est-ce qu'il fait le bonhomme là Je ne comprends, hein. comprends rien. Alors, en fait, le projet, c'est un cadre dans lequel je vais mettre une PlayStation 1 avec un écran, avec le CD qui tourne visuellement, on le voit. Puis voilà. Et avec un film miroir sur la façade qui permet de faire en sorte que quand c'est éteint, ça fait, ça fait miroir. Et quand c'est allumé, ça fait... Euh... Ça fait PS1. Bon, ça, c'est encore à prouver. Hein. C'est pas dit que ça marche. Je vais peut-être devoir filouter euh, quelques trucs. Hein. Le projet est là. Si possible, faire un truc beau, mais bon, ça, faudra pas trop demander. C'est intéressant. En ah, bah tant mieux. Si ça intéresse, ça va mieux. La manette, tu la planques comment Il y aura des prises, euh, des ports manettes accessibles par le dessous. Du moins dans mes rêves les plus fous, c'est comme ça que je le vois. Puis voilà. Ouais, je, je pense que ça doit exister des manettes de PS1 sans fil. La manette sera remplacée par un peigne et une brosse à dents. Tout à fait. J'avoue, une manette de PS1 sans fil, ça serait dingue. Ça serait ding, ding, ding. Oh, j'avoue. Oh, même une fausse, hein, même une Big Ben, tu vois. Regardez. On va inverser. Non. Vous trouvez pas ça drôle Comme ça, je suis le seul à trouver ça drôle. ça, vous, vous trouvez pas ça drôle hein Je sais pas ce que c'est l'humour, hein. Arrêter la commande Amazon. Bah, nous aussi. Du coup, on s'est arrêté là. Et du coup, on va acheter un RCHDMI, tout à fait. Et là, on continue. Donc là, je fais un. Je rallonge le lecteur, en gros. Et je commence par l'alimentation. Voilà, c'est pas mal. Euh, c'est quoi le but d'entendre de le boîtier? Euh, le but c'est de pouvoir déplacer le lecteur où je veux, qu'il ne soit pas visible. Même si ça se trouve à la fin je vais changer d'idée et je, le rendrai, je rendrai la carte meilleure visible et tout, mais hein, potentiellement c'est pour qu'on ait que le lecteur avec le CD qui tourne en fait. C'est drôle, non et Tout le monde se pose pourquoi une PS1 et pas une Philips CDI. Alors peut-être que je fais suivant mes stocks et que des Philips CDI, ça coûte bien trop cher. Mais les écrans de la Philips CDI, vous en verrez euh, bientôt. Quoi qu'il arrive. Normalement, si tout va bien dans la vie d'Aloca. Non, il dépose. J'agrandis le lecteur. Bien vu, bien vu, bien vu. J'ai la ref en plus pour une fois. Je tiens à le dire. Je tiens chialé. Oh, tu c'est une mangeuse d'hommes. Il dit le monsieur. Si on parle l'anglais euh, un peu. Demander des photos. <laughs> ah ben je comprends, je comprends. Regardez comme je sauve la botte. La botte. Euh, en bernique, mais la bête coûte entre 60 et 100 euros. Un émulateur en bernique Pardon. Ça mange quoi, ça hein Surtout dans ces cas-là, c'est tu t'en veux, euh, veux, toi, quoi. Genre t'es en mode putain, mais je suis trop con, pourquoi j'ai pas demandé Enfin, attention, je, je ne te traite, attention, je te traite pas de con. Et voilà, sauvé. Non, ah. je suis pas très émulation, hein. ça vous le savez déjà. Moi, je suis un, un gars du, du real hardware. <laughs> c'est marrant ça Bah oui Bah oui c'est marrant J'aime bien C'est très drôle Safaro, c'est Safaro. C'est très marrant C'est très très marrant Avant tout, effectivement, c'est de faire de la récup. Là on a une PS1 qui avait le bouton power de mort. Le... Le, le bouton power et euh, la coque de morte. Donc euh, en vrai, j'en aurais pas fait grand chose. Et j'avais pas envie de la remettre en état parce que ça m'aurait coûté plus cher qu'autre chose. Du coup, bah je la hack. Et on en fait un objet stylé. Hep hep. hep. vous m'avez rien dit Elle est où la gaine thermo Hop 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 Non mais dis donc J'appelle ça avec un écran 3,5 pouces. Oui. Oh, c'est beau. On va dire PS2. Ah, PS2, ça commence à être costaud. Hein. Sinon, PS2 portable. Dans un mini-tel. Et on n'est même pas sur de l'émulation. Hein. Vrai PS2. Et ça, c'est bon. Ah, je me devais de le faire. Hein. Je peux rarement en faire la pub. T'as bien une carte. Oh, merci, Uba! NRG, euh, 350 pour la fête des Pères, super cadeau. Ah bah oui, tu m'étonnes. Jump Tiens, ce soir, je vais à la piscine. Vous rendez-vous compte Ce qui veut dire que ça va être un, ça va être un truc, ça va être un exercice, hein, pour moi. C'est que je vais pas avoir de musique dans les oreilles, je vais pas avoir de podcast, je vais rien avoir. Ça va être dur, hein pour Moi, j'ai pas l'habitude. Hein. 36 consoles votre PC suffit pour ça, oui, mais pas en, pas en nomade de son smartphone. Oh, ouais, j'ai déjà une, 3, une 3060. <laughs> comment il se la pète celui-ci? Comment il se la pète, c'est fou. Hein. C'est pas beau ça. Tu as la faculté de pas flotter et c'est le drame. Merde. Tu as toujours le toboggan pour le fun. <laughs> non, c'est pas celle de Massy. Non, c'est une petite, euh, petite piscine. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été à la piscine municipale. Et comme madame elle veut, elle veut y aller en ce moment, hein, faire un peu de sport, je me dis allez, let's go. On va essayer. Jump. Bon après, est-ce que je vais m'y tenir Ça, je ne sais pas. même si je fais de l'émulation, je vais d'acheter les consoles rétro. Eh ah, oui bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui. Même les deux au final. T'achètes une PS Vita, par exemple. Est-ce que t'as pas la meilleure console pour faire de l'émulation Je te pose la question. Moi aussi, Emile, moi Impeccable. C'est une pas mal pour l'émulation. Ah ouais, mais peut-être pour des plus... Des consoles un peu light. Je que ça doit être bien jusqu'à la... Tu vois, je pense pas que tu vas faire tourner de la 64 peut-être, grand max. Dreamcast peut-être Switch sous Android avec plus simulateur. Alors moi j'ai testé Switch sur Android avec le Game Pass. C'est un beau combo. Certains jeux tournent pas, ouais je me doute. Le DS, aussi. Le DS moi j'adore hein. la gueule qu'elle a cette console. C'est ouf. Hop Donc là, on a simplement fait une rallonge. Hein. Rien de bien. Euh, rien de bien terrible. Pas de game thermo pour emballer tous les brins d'un coup. Oh non, bah attends Déjà, j'ai mis de la game thermo pour ça et pas du scotch papier. Attends, pas trop demander, hein. Mais c'est pas bête, t'as hein, bonne idée, hein. Et on peut encore le faire. Déjà, on a mis une nappe, hein Je, je tiens à le rappeler, j'ai mis une nappe. Pour pas salir la table. LOL J'ai vu le doute dans tes yeux. On pourrait hein. Je peux très bien prendre ça. Bloqué. Je vais peut-être toucher un jackpot. Oh putain Je pourrais mettre ça, mais oh flemme. Oh flemme, attends. Ouais, oh, hey, c'est bon. a Et merci de te passer donc là, on a ragrandi le câble d'alimentation. Et là, mesdames et messieurs, c'est là que tout va se jouer. C'est là que ça va être complexi, complexe, com, compliqué. Et oui. d'accord. Je suis d'accord. Et oui, c'est de toute beauté. Je suis d'accord. C'est triste le lecteur, il est en bon état en plus. Hop. À ne pas faire. Bon, ça va encore. Ça force pas trop. Là, il faut que j'augmente cette nappe Donc en gros, il faut que je vienne couper là. Gratouiller et agrandir. Ou sinon là. Ouais, non, après ça va être chiant pour insérer ou enlever la... Le... Ah, quoique. Ouais, non, si ça va être chiant. Mais en bas, j'aurais peut-être plus de place en hein, vrai. Hein. Celui-là, c'est relativement fin. Au-dessus, je pense que non. Elle fonctionnera ou tu la détournes complètement Ah non, non, elle fonctionnera à la fin. Le but est qu'elle fonctionne à la fin. C'est pour ça que même ça, je suis pas sûr qu'à la fin ça... Le fait d'agrandir la nappe, je sais pas si ça va pas augmenter le timing etc. Donc euh... à la fin, je veux qu'elle euh, qu'elle fonctionne. J'aimerais bien voir la gueule que ça a là-dessous. Bon, non, ça devient épais. Euh, Qu'à partir de là, à partir de là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc on va couper ici. On va couper ici, poncer, étamer, remettre du fil et euh, croiser les doigts à fort. Euh, ça sera pas mal. Et je vais utiliser mon fil de goût de qualité pour ça. Et il faut que je l'augmente de la bonne taille. Hum, Pourquoi ça Pourquoi ne pas dessouder le connecteur et souder les fils sur le connecteur car euh, pas besoin de toucher à la nappe euh... T'es pas con. C'est pas bête. Parce que comme ça, ça évite de couper la nappe. C'est pas bête. Schmart. Schmart de ouf. Schmart de ouf. Point faible, euh, trop intelligent. Donc le connecteur qui est là, l'enlever, le récupérer. Ah quoi qu'il je peux même faire encore mieux. Où t'es toi Je sais que t'es là. Voilà. Je sais où tu te caches, enculé. Oui, ça on s'en va un peu. Est-ce que le connecteur est le même Si c'est le cas, autant récupérer d'une console HS, non Ah oui, mais non. À la fin, dans tous les cas, il faut que je vienne le brancher là. Donc non, effectivement, je vais l'enlever. Je vais l'enlever de là. Ok. Je vais étamer. Il y en a qui suivent. Ben bien sûr. Un autre bloc optique de PS1 pour récupérer un autre connecteur. Non, 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 vraiment, on va faire comme ça, ça va être bien. Ça va être bien. On va fluxer un max là-dessus. Et Zéberdi, bon, le Vlumzomix. On a fini le point débat déjà. sais <laughs> pas suffisant. Euh, ça va ou bas Tu te mets en veille des fois Ouba qui était en veille depuis le début du lag. Où elle est ma pin hein, pince. Je crois qu'elle est tombée tout à l'heure. Elle est là. Hop. Après, ce sera pas grave, tu vois. Le truc euh, qui va être ch... dans, dans ce truc-là, c'est qu'après, on ne pourra plus enlever le lecteur euh, de la carte mère. Tu vois, ce sera tout le temps relié. Mais en vrai, c'est pas bien grave. Même si je pourrais faire un connecteur moi-même. Hein. Avec des prises, etc. Mais rajouter des connecteurs, c'est euh, un coup à rajouter des faux contacts. Ah oh, j'ai eu peur, j'ai vu qu'elle avait disparu. C'est compliqué là. Hein. J'ai pas beaucoup accès. Donc PC fonctionne, j'arrive à fiche le contrôleur. J'ai une petite pause cabri. Allez, petite pause cabri. Faut changer le PCD pour démonter le miroir. Euh, non, non, mais tu moi je pense à la réparabilité après. Alors que sûrement je toucherai plus jamais une fois qu'elle est finie. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est chauffer par en dessous, parce qu'en dessous, on a zéro composant. Euh... Ouais, je vais faire ça. Je vais venir chauffer par en dessous. On va mettre un CD de driver dedans, pas besoin de changer de CD, s'il y a déjà le meilleur jeu dedans. Oh là là, binary, ça Mais oui, mais oui Enfin, bien sûr Voilà, là on parle. Assez lourd, assez ah, lourd. Ensuite, oh non, il me faut un embu, l'eau. Air chaud. Je suis jamais sorti du parking. <laughs> ah bah écoute, c'est seulement les. Comment dire. C'est ça ce que tu as dit depuis ce matin. <laughs> on va mettre un bon euh, 380, comme ça ça va aller vite. Et on va essayer de ne pas tout faire fondre. Ah, attendez. Ça aurait été le top. Ouais, mais non, on ne voit pas le CD tourner avec un ODE. <laughs> le principe d'un ODE, c'est de ne pas avoir de CD pour ceux qui ne savent pas. Je sache où je dois chauffer quand même. Voilà. Ça pue Forcément, il y a tout qui a fondu tout autour. Oui monsieur. La mettez des composants sur la carrière s'envole. <laughs> Vers l'invigné l'eau de là. Et on récupère notre collecteur tout bon tout neuf. Dans une année, ça c'est jamais fait chaud. Oui, bah écoutez. Les mix de consoles, hein. Un jour peut-être, mais euh, pas tout de suite. Impeccable. Impeccable. Comme quoi, chauffer par en dessous, c'est bien, hein, des fois. Ça a un peu cramé ça, mais ouais, ça va, c'est pas grave. Ok. Quelle tige, là. On va prendre la tige et on va nettoyer à l'alcool d'eau. Ça commence à être le bordel, hein. Je sais pas qu'il range pas au fur et à mesure, mais c'est terrible. Hein. Oh, les belles soudures bien brillantes. Ah, mais si. Bah ben en fait, je suis con, je vais pouvoir le. Oh, il y a une résistance qui s'est mise à la verticale juste là. C'est mort. Juste là, et s'est mise à la verticale, peut-être la remettre. Hein. Ça me semble pas mal ça. Ça me semble pas mal. Je prends un petit parce que euh, franchement c'est nickel, <laughs> belle chevelure. Merci. Je suis désolé, j'essaie de faire au mieux. Hein. Une fois de plus pour pas vous montrer que mes veuches. Mais c'est pas évident. Je suis assez fier. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas pire. C'est pas pire. Ok, et là, c'est là, c'est là où maintenant, ça va être euh, chiant. Chiant, c'est le mot, je pense. J'étais sincère. Ah euh, Je sais même pas ce que j'utilise comme shampoing.

Ça fait un peu beaucoup, là, non Il y a une nappe de J'y réfléchis. J'en ai en plus un. Hein. J'en ai, mais je sais pas si je vais réussir à les avoir. Les nappes IDE, elles sont... Voilà, ouais, Les nappes IDE, je suis pas sûr que ça le fasse. Voilà, une nappe de 80. Elles sont plus fines. Hum... Hmm. Est-ce que j'ai ça qui traîne et surtout d'accessible Et c'est de plus en plus le bordel dans ce placard. Aïe Live en Alors là, je suis en train de fouiller dans un... Yes. je suis en train de d'éventrer un carton, pardon. Chier, putain. Ça, j'en ai marre de ne pas ranger comme il faut à chaque fois. Oh, une carte mère de PS3, c'est marrant ça. Euh... Et le relou qui a rangé ça comme un pied. Allez, voilà. Euh... J'aimerais bien. Oh, j'en vois une. Je te vois. Tu vas peut-être venir avec moi, gamine. Y a là. Oh là, attention, je parle à une nappe IDE. Attention à ne pas sortir de son complexe. Voilà. C'est une IDE 40, par contre. Au pire, ça fera le top. Hein. Ça ira très très bien. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros que ça. Ça fera la... le tafasse. Oh là. Oh, j'ai un câble. Je vais le sortir maintenant. Euh... Ah oui, mais non, je n'en aurai pas besoin. Hop. Hop là J'ai trouvé une nappe IDE. On va couper la bonne taille. Oh, ça va être pile poil. Ça, c'est toujours pratique, hein, une fois de plus, hein, les nappes IDE. Non seulement ça vient un petit peu euh, professionnaliser le truc, hein, parce que tu mets une nappe. C'est trop bien de mettre une nappe. Mais ça va peut-être être une galère quand même. Hein. C'est pareil en hein, 2 x 8. Ouais, ouais. ouais. C'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout. T'es un génie, t'es un génie. Euh... Ça va quand même améliorer le truc, oui. Euh... Attends. Oui, c'est 16. Hein. De toute façon, il y a écrit le numéro 16. Je vais couper. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Tu vois, un. Un. Je revérifie parce que je compte très mal là-dessus. Il y a toujours une nappe sur le grand table, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois, j'en ai coupé 9. Hop là. C'est la Napoléon, bien vu. PS3 HS pour 20€, c'est abusé ou pas Ça dépend en Virtual Labs du prix, de, de la panne et de quel type de PS3 c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, C'est bon. Come with me girl. Hop. PS3 Slim, qui ne s'allume pas. PS3 Slim, qui ne s'allume pas. C'est déjà plus intéressant. Si, quand il dit s'allume pas, c'est vraiment zéro voyant. Potentiellement, c'est juste la lime. Essaye de la négocier quand même un peu, en vrai. Ça me paraît un peu rush quand même. Pour du HS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impeccable. Hop là. Ou le Napalm. Oui, bah écoute. Bah, t'as, faut pas les encourager comme ça. Hein. Bah, pas du tout. Hein. Ok. Donc, le port d'alimentation qui est là, qui est directement relié à notre driver et qui passe par des petits filtres. Avant, c'est beau. Et ça, plus la gestion de la lentille qui est plus reliée du coup à celle-ci. C'est la plus proche du moins. C'est beau. Et à Virtual Labs aussi peut voir l'état dans lequel elle est, bien sûr. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai toujours pas de nouveau subball Ah, bah merde alors. Ça a pas l'air trop horrible. Bah, à toi de voir. C'est ta moyen de négocier un petit peu, négocier. Hein Manqué apparemment, même pas top ça. Ouais. Peut-être qu'il a déjà été démonté. De toute façon, si as l'autocollant de garantie en dessous, il faut vérifier, il faut être sûr de ça. L'autocollant de garantie, garantie en dessous. On prépare un petit peu la nappe. Et effectivement, 2 x 8, c'est une très bonne idée. Et si elle a déjà été démontée, qu'il y a déjà eu des tentatives dessus, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Hop. Ok, on va étamer cela. Oh, quoi que je suis lancé, faut que je fasse les, les deux direct. Hop. Allez Voilà. Regarde le Uba qui essaye quand même. Qui dit qu'il finalement il en faisait pas mais il en fait une. Bravo Uba Ça glisse des, euh, des blagues sous le manteau. Ah, je te félicite pas. Hein. Ici, on a dit qu'on déclarait tout. Hein. J'ai craqué <rire> <rire> par ce patché. <laughs> Le fameux bas le Bot. Hop. Impeccable. J'avoue que c'est un peu redondant, c'est un peu chiant, mais en vrai, il faut le faire. Il ouais. faut le faire, faut le faire. Et je me demande si je vais pas utiliser ma troisième main dans cette histoire. Je me ferais peut-être moins chier. Mais après, euh, il va me rester à gérer ce système d'alimentation, euh, euh, ce système d'affichage. Donc euh, RCA vers HDMI. Et euh, après ça, il va falloir... Euh, il y aura peut-être d'autres trucs. Il hein. faudra que je vois, mais je crois qu'après on va devoir parler motorisation. Ça ne va pas être pour tout de suite. On va devoir peut-être le mettre en pause, le projet. C'est pas très Twitch friendly la troisième C'est le troisième bras qui est pas très Twitch friendly. La troisième main, ça va. Ah, la fri. Même sympa la beaufry. Hop Non Us J'aime le veau. Ah. Bah, c'est bien. <laughs> on a dépassé les 10 090 followers aujourd'hui. C'est fou. Qui l'eut cru Qui l'eut cru on, va, on, va, on arrive euh, vachement vite quand même au aux 10 100 hein. on a atteint les 10 000 euh, semaines dernière et là on est déjà euh, sur le point d'atteindre les 10 c'est fou quand même ce qui est bien c'est que si je m'y prends bien j'ai pas besoin de gain thermo du sucre bien sûr Wilson. Ça va plus s'arrêter. J'aimerais bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Voilà. C'est une spéciale, tu chouis. Tu mérites. Oh, shit. T'es nappe ou pas nappe C'est qui cette émote On dirait la rousse dans American Pie. J'espère que je viens pas d'insulter ins, un, un ou une streameuse. Quelle belle préparation de nappe. Merci. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire. J'ai oublié d'ajouter le tag ASMR au live. J'ai oublié. J'ai mal à la tête. <laughs> ah bah, c'est trop intensif. Trop intensif. ASMR visuel, voilà. On peut mettre ASMR visuel. On met ASMR visuel, bien sûr. Tu vis ça sur le mien, ça m'a rendu fou. De quoi que tu pouvais mettre ASMR <laughs> J'ai mis hier, j'ai publié sur le Discord. Les gens me cherchent pour danse. <laughs> Je crois que c'est ça. Les gens me recherchent pour la danse quand ils viennent ici. C'est fou Oups. Faut pas vous lancer à hein, ce que je vois. Hein. Il ne s'arrête plus. Donc là, je continue GTAM. Et au final, tout à l'heure, je disais, euh, c'est chiant, c'est qu'on va pas pouvoir défaire le connecteur. Mais en fait, si. Quand on a encore le connecteur de la nappe... Euh... Il n'y a pas de souci, en fait. Les of tu vois quand même... Ah bah ça Ça, c'est su. J'en ai eu de la chance là-dessus. C'est vrai que. C'est aussi parce qu'on a su se débarrasser des relous. Hein. Ou que les relous se sont débarrassés d'eux-mêmes. Aussi. Mais effectivement, on a de la chance. Vous êtes des jambons. Les mots de jambon, ça serait marrant ça. Ou justement, on met un rabone. Ça pourrait être drôle quand même. Hein. Je trouve. Ça pourrait être quand même super cocasse. Les mots de jambon, et eh oui. Est-ce qu'il y a Joe que t'es encore là? On n'a pas eu de bol, à pas euh, une fois un qui a assisté, euh, <laughs> on n'a pas à se plaindre. Non, c'est clair. C'est clair. Mais au tout début, moi j'avais eu pas mal de gens, et ils sont partis d'eux-mêmes, ça c'est cool, qui étaient là à donner des, des conseils en mode euh, on s'en fout, tu vois. En mode, euh, quelqu'un qui, genre, ouais, je sais, je sais comment faut faire, machin, etc. Et en gros, te dit, branche le plus sur le moins, tu vois. J'en avais eu quelques-uns au tout début. Alors heureusement, ils sont pas restés. En mode, mais si ça va marcher, tout ça, tout ça. C'était un, un... un peu une galère, ça. Du après, tu les reconnais et tu sais. Euh... Tu sais quoi faire. Tu sais qu'il faut pas les écouter, mais... J'en ai eu quelques-uns, mais comme ça... On un faire avec de l'état Merci à... Ça, c'est des bons conseils, hein. naturel et euh, la télé sao hein quoi c'est de l'allemand et oui ah on a de la chance Ça, c'est sûr. concentration de mon côté hein, je suis désolé Alors bon, on a de la chance on a des très bons modos qui sont qui sont bien choisis j'ai envie de dire hein. <laughs> mais qui se jettent des fleurs non non mais oui effectivement on a beaucoup de chance là dessus ça fait beaucoup hein, des bons modos quand même hein. Je parle pas beaucoup, je suis un peu concentré. Je m'en suis pas mal sorti dans cette histoire-là. C'est pas laidue. Et je suis en train de me demander si je devrais pas. Oui, bien sûr. La deuxième rangée, la souder comme ça. Oui, c'est pas mal ça. Plutôt que de venir la, la souder comme ça. c'est mieux. Comme ça, après je la fous à plat. Et les deux, de toute façon, vont au même endroit, donc. Excusez-moi, hein, je suis très concentré dans ce que je fais. Mata bah, Vengeur bah, qui régale hein, quand même. Merci beaucoup pour tous ces beaux messages en tout cas. Ciao lèche pour cette année. <laughs> Moi, je suis en train de faire un truc papier là. Pour une fois de plus, c'est pas dit que ça marche à la fin. Hein. Il y a même de très grandes chances que ça marche pas. Hein. Vu la maxi rallonge que j'ai fait dessus. Euh... Je sais pas à quel point c'est sensible euh, un lecteur de PS1. À ce niveau-là. Euh... Bienvenue à toi, Skull C'est votre follow. Oh, un chat. C'est vous, ça, tous les follow depuis ce matin. Sur ce genre de projet un peu euh, chelou. C'est dingue. Je pense à la musique. Bon, c'est sensible que les pistes a mis euh, sur Switch je pense. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs qui au final fonctionnait. C'est assez fou. Bah Attends, genre on a dit qu'on arrêtait... Euh... Pas dégueu, hein. Eh, je me bonifie avec le temps, hein Vraiment, euh, tel un bon vin Et du coup, mon connecteur, il est beau. Enfin, il est beau. Il est bien en place, bien en chair. Et tout ressort ici. C'est fou. Hein je suis assez, euh... je suis assez étonné de mon... mon, truc là, mon que truc. <laughs> bon, tu connais un bon et un mauvais maker. <laughs> Le bon maker, euh, il n'est pas étonné quand il fait quelque chose de propre. <laughs> tu as bien jugé pour ça, Vraiment, bah, le bon maker, il se dit pas, il se pose pas la question de waouh c'est propre. Il sait, il sait que c'est propre. Legos de movie.mp3 oh, » merde. <laughs> Si ça marche, c'est dingue. C'est un truc de yodin, de ding, ding, ding. Par contre, je vais me retrouver avec une petite euh, problème. C'est je ne sais pas dans quel sens je vais le souder. J'adore chanter. C'est faux. Alors. Ça allait comme ça. Ça allait comme parce que les collègues -là, ils ont deux secondes là. Ça allait comme Et donc, ça Ça vient se souder l'eau. Okay. L'eau et l'autre de l'autre côté. Le miroir des frappes au pas mal quand même. Quel miroir Ils m'ont volé mon concept Non, je rigole. <laughs> Becky se croit euh, centre du monde. Quel miroir Ils ont fait la même. Mais non C'est pas possible. Du Yoshi X. Teeepiak Est-ce si je le fais comme ça Ou comme ça Ah, allez, on voilà, va comme ça. Hum... Mmh, quand il y en a pour l'un, il y en a pour l'autre. Oh là là, il est fort. C'est Je ne sais pas si j'ai dit bonjour. Bonjour Kyoshi. Comme ça. Donc on va faire le bas en prums. Et donc comme ça. Très bien. Me love. Don't touch me, please. Ok. Ok. Et donc on a dit que ça, ça allait comme ça. Donc la partie de gauche elle vient ici. Let's second. Oh la vache. Les geek top. <laughs> C'est marrant ça. Les top. T'as compris? S'appelle les Z-Top. T'as compris ou pas C'est quand même marrant, non Allez C'est donc. Bien outillé, c'est un mauvais jeu de mots. Ah, bien sûr Mais là, j'apprécie vraiment, là, dernièrement, je, je repasse assez souvent sur leurs vidéos. J'apprécie vraiment ce qu'ils font en vrai. Parce qu'ils montrent aussi euh, les défauts, ils montrent aussi les galères auxquelles ils sont pas. J'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font. Je me tire dans le miroir et en marche arrière. Tu... trop bon marche avant, mais je sais que je comprends rien. C'est marrant, c'est vrai ça, c'est une vraie question. Mais là, le, s'ils sont en train de faire là, le, euh, le flipper, euh... non pas le, flipper. si flipper pour euh, Bruce de y penser, c'est fou quand même, hein. c'est fou. Pinka de toute beauté, ouais, c'est fou, hein. franchement. Euh... J'aurais besoin de plus de lumière là, c'est dingue ça, hey, mais c'est lui qui me fait de l'ombre. Que je regarde plus les vidéos des frères poulains, au moins j'ai du contenu à rattraper. Ah bah oui. C'est vrai. Frères Poulain qui sont déjà passés par là, paraît-il. En fufu. Caché. C'est la fois où j'étais passé, c'était en mode. Ah, cabri !» mais non dingue oh les belles soudures Oh là là! Mais j'ai envie quelque chose d'aussi bon ma bonne dame! Euh... Le format ne m'attire pas. Après je comprends, hein, bien sûr. Par exemple, HSI déjà existant, c'est du taf. Ah c'est du taf de ouf, hein. Eliox a follow, etox a follow, que c'est le sang. que hein. <laughs> c'est le, le sang, effectivement, elle a follow et tout. On a échangé, on a échangé en DM sur, sur Twitter, tweet et tout, bien sûr. c'est le, le... Le, le sang. Je sais plus allait si parler de moi en vidéo, une fois. Voilà. Cette chevelure qui est Ça va être si bien Ce que je fais Je suis fier là. Vous voyez avec mes veuches depuis tout à l'heure, c'est ça C'est ça que vous essayez de me faire passer comme message Désolé, vraiment, euh... c'est pas facile. C'est pas facile. Je fais bien le drame. Je fais bien le drame, quand même. Rase-toi. Alors je compte aller chez le coiffeur, mais alors de là, me raser. Après, entre des cheveux et un crâne. Je vais te dire, c'est pareil. Hopp. Hopp. Et je fais vraiment des belles soudures. Hein. Je vous montre ça juste après, mais... J'ai vraiment l'impression que c'est pas dégueu. Hein. Ah non, pas rasé. Hein. <laughs> Salut Flo. Ah non, hein. Si un forêt il a dit non, alors non. Est-ce que vous y croyez un petit peu à, à ce que ça marche à la fin ou pas Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est très bien ça Eh ben on va pouvoir tester euh, si j'ai fait des bêtises ou pas Tout simplement Et oui Et oui Bien sûr Bien sûr, bien sûr et en plus de ça, pas de gain thermo. Ça, ça me, ça, ça me va. C'est parfait. J'avais pas envie d'utiliser de gain thermo pour ça. C'est parfait. Recyclage, honnêtement. Ah, Binaris, il va être encore. Ah, voilà, regarde, gade-le, 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 qui arrive. le gade-le, gade-le, il va dire, ah, mais c'est dégueulasse. Euh, Moi-même, en vomissant, je fais des trucs plus beaux. La lumière, ça s'allume encore. Le driver ici n'a pas pris feu. C'est cool. Ça va dans quel sens Hop Ok Ok C'est le moment Je suis comme ça Héro Wesley, comment tu vas le Wesley Puis tout à l'heure. Est-ce qu'il va bien Tout à fait, Flo. J'ai pas encore branché ça. Tu arrives, arrives au moment où potentiellement on casse tout. Ok. C'est now, c'est now. Ça, ça marche encore un peu. Ok. Maintenant, plus dur, plus dur, plus dur. On va mettre un jeu. On va mettre un disque. Une discourse del Katz. Et quoi d'autre? Driver pour test testage. Pred, non, du coup j'avais pas fait de pred, tu vois. On en a fait une tout à l'heure déjà. Il n'y a rien qui va s'afficher à l'écran pour l'instant. Ça tourne plus vite. Ok, c'est bien mignon. Mais maintenant, maintenant, il me faut plus. Il faut qu'on affiche à l'écran. Et c'est là qu'on saura si on a gagné le jeu. Tu euh, portes le partout. Bah vous savez quoi, les câbles, c'est lourd! Il est l'homme au câble. C'est là qu'on saura, bien sûr. Re Oliver, le grand câble. Attention. je plug ici. Ok, je plug là. Ça va pas s'afficher sur le système là-bas, c'est pas grave. Pour l'instant, je préfère faire comme ça. De toute façon, j'ai pas encore, il me manque encore un matériel, donc. Je vous le remets, c'est pour moi, c'est cadeau. C'est marrant, le son est en mono. Oh. Putain, ça marche. <laughs> Qu'est-ce que tu vas faire J'ai le jeu dans les mains <laughs> J'ai le jeu dans les mains frère Ouais non là c'est mon, mon câble qui pue la merde je crois. C'est mon câble qui pue la merde c'est rien. Qu'on le couvre d'or. <laughs> ouais c'est mon câble qui pue la merde. Voilà. Et si tu secoues le secteur ça fait quoi Et si tu le jettes par terre Qu'est-ce que ça fait Attendez, j'aimerais faire une photo quand même. C'est un truc de gueudin. Pour soi, le CD, c'est top. Non, mais du coup, je peux en faire un collier. Non, par contre, vraie question. Attention. Parce qu'un cadre, ça tient à la verticale normalement. Et la PS1, elle n'est pas, contrairement à la... J'allais dire contrairement à la PS1, mais non. Contrairement à la PS2, elle n'est pas faite pour entrer à la verticale. Donc on va voir. Ah, attendez, 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 attendez. Là on l'a en stéréo, là on l'a en stéréo, excusez-moi. Pas très pratique pour jouer avec le CD dans la main. Effectivement, c'est pas hyper pratique. Tu vas encore créer ton, ton support lecteur CD à l'imprimante Il faudrait que je le passe, ouais. Faut que Je regarde si je peux pas récupérer ce qu'il y a dans la PS1. Oh, ça vibre là par contre. Bon oh, vertical, ça ne le dérange pas. Oh, même à plat, ça vibre quand même. Qui a le lecteur dans sa main. Ah oh, oui Yes, une meuleuse PS1. J'avoue. J'avoue que tu passes un doigt là. C'est la mort. Hein. Ça peut faire disqueuse <laughs> c'est fort hein je suis content je suis content on a quand même avancé un petit peu on a quand même avancé un petit peu euh... on va voir comment c'est fichu dans la ps1 de base où il est le support en fait Contrairement au chéri géant de Wesley qui revient littéralement dans la scène. <laughs> T'es un salaud! Mais oui, c'est le tout de beauté, je suis d'accord. Pour couper le jambon de Bayonne à Noël. Ah! Tu vois, je peux très bien récupérer ce support-là. je pense que je vais en imprimer un moi-même je pense que je vais m'en modéliser un et en imprimer un plutôt que d'utiliser ça parce qu'après je pourrais très bien découper en dessous et faire un truc mais non Il faudra même que je fasse un cache par-dessus. Ouais, c'est dommage de la couper la coque, en vrai, même si elle est en bon état, la partie basse, elle est encore complète et tout. Euh, il faudrait même que je fasse un truc au-dessus pour cacher. Qu'on voit que le lecteur tourner et la lentille, tu vois. Ça, je vais voir si j'en fais un ou pas. Bon après ça, c'est pas non plus hyper chiant à faire. Mais c'est pas mal, hein C'est pas mal. On a quand même bien avancé. Alors si je regarde ma to-do list. Qu'est-ce qu'a dit ma to-do list To-do list Batman en plus. C'est bon. Alors... Rallonger map lecteur. C'est fait. Bandeau LED. C'est fait. Gérer le système de moteur. On verra plus tard. Et ça c'est... On remet une flèche à... A. e T. Point. Voilà Eh on a bien avancé aujourd'hui On a bien avancé. Hop là Et Il faut que je voie pour trouver un ampli pour l'audio. On va essayer d'amplifier un petit peu le, le son. Ampli Et là aujourd'hui j'ai envie de dire... J'adore ah, oui. quand un plan se déroule sans accroc. Il n'y a que le PS1 vers VGA qui marche pas. Au moment de souder... Attends, hey, hey, nous ici, on, <laughs> Allez, ça soude. Ça hein. soude un hein, max. C'est écrire après, on ne regarde pas les fautes. Non, on ne regarde pas les fautes. C'est MacGyver cet homme. Oh putain. On a bien avancé. Je suis content, je suis content, je suis content. Parce qu'en plus de ça, j'avais peur que le projet pile rouge avance trop vite.

Qu'est-ce que vous en pensez vous On avance quand même pas mal au final. Euh, mais en tout cas, on a bien euh, taffé aujourd'hui. Hmm. Le premier, je sais pas, mais du moins on a, on en a fait un. Hein. C'est vrai que ça pourrait être marrant quand même de, ah, ça irait un peu trop loin, mais euh, de fixer ça sur un manche en mode euh, disqueuse, vraiment. Non Je sais pas, hein, je propose des idées comme ça. Après, vous me dites, hein. vous me dites. Très bien. Pop, pop. le concept à action vite. <laughs> non. Alors déjà, vous êtes très nombreux aujourd'hui et merci beaucoup. Je vous en remercie. Ça fait extrêmement plaisir de voir aussi nombreux. Je vais arrêter. Hein. Je vais commencer à m'y habituer. Hein. Mais t'as une moyenne de 100 hein, avant. Hein. Là, vous, êtes, vous commencez à être trop nombreux. Oh, dis donc euh, En tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer chez quelqu'un que je ne connais pas. Et on va voir ce que, ce que ça fait. Je vois qu'il a une espèce de synthé du futur. Euh, il s'appelle Tox Avenger. Il fait de la musique. Donc je vais vous envoyer chez lui. N'hésitez pas, voilà, allez voir, à faire les curieux. Euh, en attendant, nous, on se retrouve demain soir. Et eh oui, demain soir, 20h30. Petit live, je ne sais pas encore ce que l'on va faire. Et bienvenue à toi, Babingod. Très marrant ce pseudo. Bienvenue à toi. Euh, on se retrouve demain soir pour un live. Euh, je ne sais pas encore ce que l'on va faire. J'ai des petites idées. Restez connectés. Je vous tiendrai au courant sur le Discord, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Non, pas sur YouTube. YouTube, c'est le réseau où je publie les rediffusions si en a qui ça intéresse, bien entendu. Mais dans tous les cas, je suis présent sur tous les autres réseaux. N'hésitez pas à les rejoindre. N'oublie pas de faire, tout comme Babingod, et de venir euh, follow le Twitch tout simplement. Nous on se dit à demain 20h30. Encore merci pour tout. Merci pour les abonnements. Vous êtes très nombreux à être abonnés. Merci beaucoup pour les follow également. Vous êtes très nombreux à rejoindre la chaîne dernièrement. Donc merci énormément. On se dit à demain soir. Des bisous. Merci pour tout. Vous êtes géniaux. Et oui, je vous le dis dans les yeux. Et oui. Allez, à plus. à bye bye. Salut tout le monde. Allez, au revoir. Allez. On y va. Hein. Et on n'hésite pas à lâcher un petit message pour, euh, pour Tox Avenger, bien sûr. Allez, des bisous. Salut, hein. Portez-vous bien, faites pas de bêtises, hein. Allez, je m'en vais. Non, cette fois-ci, c'est la dernière. Non, j'avoue. Allez, vas-y, j'y vais, j'y vais. vais. C'est bon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais.